bienvenue sur Nikabé. Dans cette vidéo, nous allons faire un vêtement dans Marvelous Designer pour iClone 8, un Caractérator 4, mais aussi pour iClone 7 et Caractérator 3, si vous n'avez pas le dernier, bien entendu, ça fonctionne. Donc, on va travailler sur l'elfe. J'ai vu que la vidéo de la tenue jaune que j'avais fait mais qui n'est pas terminée vous a plu, donc vous savez quoi, je vais la refaire tout simplement. Allez, c'est parti. Alors on a notre personnage en 3D, on a le patron en 2D qui fait automatiquement, on va dans Fabrique 1, vous connaissez la chanson, on change la couleur parce que blanc sur blanc ça se voit pas, donc hop là, voilà, c'est parti. Donc on va dans Polygone, on va déjà commencer. Alors la tenue n'a pas besoin de sous-vêtements parce que bah, on les voit pas tout simplement, donc on va juste faire on va commencer la veste en premier parce que le mini short va par dessus la veste en fait, donc c'est parti. Alors moi je commence toujours par le haut, donc là on va faire comme ça, on va, vous voyez le cou il est ici, là on va commencer à peu près à cette hauteur là tranquille, donc on met un premier point. Hop, ensuite, on va aller en biais comme ça. Un deuxième point, un troisième. Et on dépasse vous voyez, le contour du personnage. Gardez toujours l'espace entre votre vêtement et le contour du personnage. Donc ça, c'est pas mal. Et après, on va directement... On suit le contour du personnage tranquille. On va directement par-dessus l'épaule. Voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire des... Comment on appelle ça ? Des courbures en appuyant sur CTRL, mais là pour celui-ci il n'y a pas forcément besoin. Là on n'oublie pas que c'est une manche, donc on va aller en s'écartant mais pas trop, donc là on prend tout le bras, vous voyez le poignet il est ici, donc on va s'arrêter un petit peu avant le poignet, on va s'arrêter là comme ça tranquille. Voilà, on essaie à peu près de mettre la distance entre ici et ici pareil qu'en bas pour que ça choque pas trop, et là on remonte. Alors là on remonte, alors là je vais juste mettre un point ici, voilà. Voilà, comme ça, pour avoir une courbure. Et je vais venir laisser la vie ici. Donc je vais m'arrêter un petit peu avant. Je vais m'arrêter ici. Et là, je vais appuyer sur CTRL pour faire une petite courbure. Gentil. Je suis les contours du corps. Je reclique. Et ça y est, je repars en ligne tout à fait droite. En lâchant le bouton CTRL, bien entendu. Donc là, on a les hanches qui commencent ici. Donc la taille est ici. Et les hanches commencent là. Donc on va le faire descendre un petit peu plus bas. Parce que le but, c'est que le mini short... passe par dessus, donc on va aller un peu plus bas, on va aller ici, là juste là au niveau de l'os des hanches, très bien, on clique, et là moi j'avais fait ça en fait, comme ça, vous voyez, j'étais parti dans ce sens là, on va faire autrement, parce qu'on va, j'ai fait une ligne de décoration horizontale, je sais pas si vous l'aviez vu, donc là je vais aller tout droit, je rejoins la ligne du milieu, et je rejoins le point, le tout premier point. On obtient ceci, donc là je contrôle la distance. Ce que je peux faire tout de suite ici dans Transformer le modèle, c'est sélectionner la partie en 2D, et dans la fenêtre en 3D je peux tout de suite la rapprocher du corps, comme ça on est tranquille, peut-être même un petit peu plus, voilà. Donc là je regarde dans la fenêtre en 3D où ça descend, pardon, je vais remonter la ligne, je voudrais que vous voyez, avec la lumière le nombril est ici, donc là je voudrais que ça arrive au niveau du nombril la fin. Donc il y a besoin de remonter de pas grand chose. Donc dans la fenêtre en 2D, on utilise, on peut garder transformer le modèle. On clique dessus. Alors non, ça va changer tout le modèle. Donc on va ici là, dans éditer le modèle. Voilà, on sélectionne juste la dernière ligne et on la remonte à la main doucement. On regarde dans la fenêtre en 3D ce que ça donne. Oh, c'est pas mal, on est bien. Je peux encore la remonter un petit peu plus. Donc je la remonte. Voilà. On est, ouais. Vous savez quoi, je vais remonter un petit peu plus encore. Comme ça, on est sûr d'aller au niveau du nombril. Ok, c'est bon. C'est peut-être même un petit peu trop. Quoique, on verra. Donc, pour le moment, ce qu'on va faire, on va commencer à faire les contours. Alors, on va s'occuper déjà de la manche. Donc, on garde toujours ça, éditer le modèle. On clique sur la ligne ici, du bout de la manche. On fait un clic droit. On fait Offset, Pattern, Outline. On n'oublie pas de créer une ligne interne, juste ici. Alors, là on regarde, donc vous pouvez décaler, vous voyez 5 c'est pas assez. Moi j'aime bien mettre du 30 mm, c'est 3 cm en réalité, donc c'est pas mal. Je fais OK. Voilà. Donc là il nous a rajouté ça, très bien, on a notre bout de la manche. Ensuite on va faire le col. Alors là pareil, même outil. Cette fois-ci on va appuyer sur cette ligne-là
on va appuyer sur Shift, enfin, Maj en français, au-dessus de la touche qui est au-dessus de votre de contrôle. Shift, on appuie dessus, on continue à cliquer, on n'oublie pas de prendre la ligne au milieu. Hein. Voilà, très bien. Et ce qu'on va faire maintenant, on est comme ça, on est comme ça, on est bien. Ok, c'est bon. On a une ligne, deux lignes, trois lignes. Donc là, ce qu'on fait... Alors, cette ligne-là, à la limite, on peut peut-être... attendez, laissez-moi réfléchir. Normalement, on peut la faire tout de suite. Très bien. Donc là, j'ai trois lignes sélectionnées. Donc, clic droit, même chose. Offset Pattern Outline. Il reste à 30 au dernier réglage. Fait, donc c'est très bien. React Internet Line, il est... Internal Line est coché. On fait OK. Donc là, on a ce qu'il nous faut. D'accord, on est bon, on est bon. Alors, est-ce que ça vaut le coup de faire une ligne verticale du milieu? Peut-être pas. Vous savez quoi? On va peut-être pas la faire, cette ligne-là. Donc, ce qu'on va faire, on va modifier tout de suite. Donc, du coup, on va reprendre cette ligne-là. On n'oublie pas d'appuyer sur Shift pour prendre la ligne à côté qui maintenant est séparée. Et le petit point ici. Alors, déjà, les deux lignes. Et on va retirer vers le bas. Du coup, finalement, on va retirer, on continue. Alors, on descend où, là? On descend à peu près à cette hauteur-là. C'est pas mal, on peut même descendre un petit peu plus bas encore. Voilà. Ouais, voilà. Là, je pense qu'on doit être pas mal. Ensuite, on va finir en pointe, ou bas. Oh non, il n'y a pas besoin. C'est très bien comme ça. Donc là, vous voyez, la ligne interne qu'on a fait là, elle va pas jusqu'au bout. Donc, c'est pas un souci. Toujours avec le même outil ici, on sélectionne le petit point qui est là. Et là, on va le tirer. Alors... On vérifie bien qu'il soit tiré à la verticale, donc faut qu'il y ait une petite ligne rose, et on se bloque sur la ligne horizontale qui est là. C'est tout. Voilà, on l'a déplacé, comme ça on n'a pas eu besoin de tout refaire, impeccable. Donc ça, c'est la première partie du vêtement. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper les lignes internes. Donc toujours avec le même outil, on va faire un clic sur la ligne de la manche, on va faire un clic droit dessus, et on va faire cut and sew. Voilà, donc on a coupé, mais c'est cousu... au corps principal. Donc là après, très important d'aligner parfaitement les points avec les points. Ah, c'est pas évident parce que là on part d'une ligne droite et là on part d'une ligne en biais. Donc on essaie, voilà, vous voyez là, je sais pas si vous avez vu, je vais zoomer, je vais recommencer, vous voyez là, il y a une ligne rose qui se forme, ça veut dire que je suis aligné par rapport à quelque chose. Alors est-ce que je suis aligné par rapport au bon? Je suis un petit peu en décalage, je vais me servir plutôt de là c'est droit, je vais me servir de celle-ci. Donc, pardon, je la bouge. Attendez, je la dégage. Vas-y, hop. Et normalement... Voilà, là, je suis en rose. Ah, attendez. Voilà, là, normalement... Voilà, là, j'ai la ligne rose. Donc, logiquement, je dois être bien. OK. On va laisser ça comme ça. C'est cousu. OK, on est bon. Ici, on va faire la même chose. Donc, cet outil-là, pareil. Editable. Là, alors là, pour éviter d'avoir à sélectionner les trois lignes internes, on peut faire un double clic sur les lignes internes. Et ça sélectionne automatiquement les lignes internes qui sont reliées entre elles. Un clic droit. Cut and sew. Voilà. Donc là, le but maintenant, c'est de regarder si ça n'a pas bougé. Alors si, en faisant ça, on a bougé le corps principal du vêtement. Donc là, ce qu'il faut juste laisser un espace entre les morceaux qu'on a coupés et l'original. C'est obligé. C'est mieux pour les UV de laisser un espace. Comme ça, on voit ce qu'on fait. Donc là, lui... Je vais juste décaler un peu vers le haut, c'est tout. Voilà. Ça, vous ne voyez pas la différence dans la fenêtre en 3D, mais ce plus important pour moi, c'est la fenêtre le patron. Donc déjà, on va aller dans Fichier, on va aller dans Sauvegarder en tant que projet. Donc le projet original que moi j'ai fait, c'est celui-ci, avec la ligne verticale, horizontale qui est là. Non, je ne vais certainement pas le garder, du coup, puisque là, je suis en train de le refaire avec vous. Donc je vais l'appeler quand même le même nom, LMD3.5. Et si jamais celui-là... est plus joli que celui que j'ai fait à l'origine mais qui n'est pas encore terminé, bah, je garderai celui-là pour moi. Enregistrer. Voilà. N'oubliez pas de sauvegarder assez souvent pour éviter les plantages et d'avoir à tout recommencer. Ensuite, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir faire l'autre partie du vêtement. Donc là, c'est pas compliqué, on sélectionne tout, on fait un clic droit, c'est celui-ci, symétrie pattern with sewing. On essaie de placer vite fait, hop, on clique pour valider. Et là, on aligne les points. Alors, on prend un point, soit ceux de là, soit ceux d'avant. Et on cherche la ligne rose ici. Vous voyez, là, voilà. C'est bon, c'est aligné. C'est-à-dire qu'ils sont exactement à la même hauteur. On est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la face arrière du vêtement. Donc, on va tout sélectionner.
on va faire un clic droit, on va faire copier, on va se mettre à gauche ou à droite, on va faire copie miroir, pareil, on place, là on n'oublie pas d'aligner au niveau de la hauteur, qu'on soit bien même la hauteur, vous voyez là, ligne rose, c'est parfait, c'est aligné. Dans la fenêtre en 3D, maintenant, la partie arrière du vêtement, on la met au même endroit que la partie avant. On passe derrière notre personnage. N'oubliez pas, face avant du vêtement, face arrière. Face avant du vêtement, oups, face arrière. Et donc, on est obligé de faire un flip horizontal. Donc là, je resélectionne la partie arrière. Clic droit, flip horizontal. Voilà, face avant de l'arrière. Face extérieure plutôt, face intérieure, face extérieure, voilà. Je vais tout resélectionner ici, la partie arrière, et dans la fenêtre en 3D, je vais peut-être me mettre un petit peu plus élevé, en hauteur, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on va activer l'option de simulation, le vêtement va tomber avant, en même temps qu'il va se coudre ensemble. Donc il y a des chances qu'il tombe avant. La partie avant, je vais essayer de la remonter aussi. Donc je sélectionne en entière, je la remonte un petit peu plus en hauteur. Voilà, c'est pas mal. Je sauvegarde. Et là, on va commencer à faire les coutures. Alors, on s'occupe déjà de la face avant. Alors, les coutures, on va déjà, on va rajouter. Alors, attendez, on est là, on est comme ça. On a fait ci, on a fait ça, très bien. On est comme ça, on est bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser l'outil couture de segment. On a juste à coudre la partie avant, ici et ici, d'accord? Donc ici et là, c'est tout. On fait pareil pour la partie arrière. Alors la partie arrière, par exemple, là vous voyez, on va avoir encore la ligne du milieu. Ça c'est un exemple, parce qu'on a, on a tout copié. Alors est-ce que vous voulez vraiment la ligne du milieu? Oui ou non? Si vous ne souhaitez pas la ligne du milieu, parce que finalement je viens de me rendre compte, ça va peut-être faire moche. Donc on va la retirer. Donc ça va faire, on va supprimer ces deux parties-là, tout simplement. C'est tout. Voyez, on les a virées. On va reprendre ici, éditer le modèle. On va reprendre cette ligne-là, Shift, cette ligne-là, un clic droit, Offset Pattern Outline, 30, c'est bon. Create Internal Line, ok, on est bon. Voilà. Maintenant, double-clic sur la ligne interne. On travaille en symétrie, donc ça fait automatiquement de l'autre côté. Clic droit, Cut and View. Voilà, donc là, lui, on le laisse, il ne nous gêne pas. Nous, ce qu'on cherche, c'est à voir si ça a bougé d'ici ou là. Apparemment, non, c'est toujours bien aligné. Très bien. Donc maintenant, la face arrière, couture simple. Donc ça, c'est le col, enfin la bordure. Donc celui-ci avec celui-là. L'arrière du dos avec l'arrière du dos. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est relier la face avant à la face arrière. On peut le faire dans la fenêtre en 3D si on veut, mais moi je préfère le faire comme ça. Donc déjà, le haut du col, ici, comme on travaille en symétrie, c'est là, pareil, même chose. On est bon. Ensuite, on va faire les manches. Alors, je prends ici et ici. On a le dessus, le dessous, ici et ici. Ça, c'est fait. Ça travaille en symétrie, donc on est tranquille. Qu'est-ce qu'il nous reste à relier encore? Le haut des manches et puis les bordures. Donc le haut des manches, là, moi j'utilise l'outil qui est ici, couture libre. Je clique sur le premier point, je suis et je vais sur le dernier point du haut de la manche. Je refais la même chose en inverse, sur la partie arrière, le haut du point et le bout. Vous voyez, le haut est cousu. Maintenant, on fait pareil pour le bas. Je vais partir du bas ici, je vais monter l'aisselle, hop, je vais suivre et je vais m'arrêter au bout de la manche ici. Et là, je fais pareil, l'inverse. Hop, je monte, je suis la ligne, je suis la ligne, je suis la ligne et je vais au bout ici. Et normalement, c'est bon, on a toutes nos coutures. Donc là, on va lancer la simulation. Avant, je sauvegarde, on sait jamais. Et je vais lancer la simulation. On va voir ce qui va se passer. C'est parti. Ben voilà, du premier coup. Impeccable. Alors là, on peut faire des petits arrangements à la main, déjà. On peut tirer sur les manches pour les remettre un peu plus droites, si on a envie. Ok, on va dire que c'est pas mal. La longueur, elle a l'air d'être très bien. Ok, ok, très bien. Ouais. Voilà, ok, donc j'arrête la simulation. Je vais commencer à changer les couleurs des composants. Alors là, dans Fabrique, on va renommer celui-ci en Veste, tout
simplement. Ensuite, on va ajouter un nouveau layer ici. Lui, on va le renommer en bordure. Non, j'appelle ça bordure. Bordure V pour veste. Ici, dans color, on va lui mettre une couleur pour l'identifier. Donc, je sais pas, moi, peut-être du... On va le mettre plutôt de cette couleur-là. Et veste, ici, je vais changer juste la couleur. Je vais mettre un truc plus clair. Voilà, c'est bon. Ensuite, on va créer un nouveau layer. Alors, là, ça va être... on va l'appeler le... Comment je peux l'appeler ? Bordure... non, on va pas l'appeler bordure, on va l'appeler colle. On va l'appeler colle, voilà. Hop, on change de couleur, on va y mettre celle-ci. Voilà. C'est juste pour identifier visuellement les couleurs, hein. C'est pas obligatoire. C'est juste pour que vous sachiez ce que c'est. Pour pas se perdre, ok, on est bon. Maintenant, ce qu'on va faire dans la fenêtre en 2D, on va tout sélectionner. On va descendre en bas et on va cliquer sur Remesh On. Comme ça, ça nous refait automatiquement une belle topologie. Et il n'y a pas besoin de modifier la topologie dans un autre logiciel. Je vous montre ce que ça fait. Regardez, je vais désactiver Remesh. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce que ça faisait. Ici, dans la fenêtre en 3D, je clique là-dessus et je vais tester. Je vais passer sur My. Attendez. My FireOM sur My. Voilà, on verra mieux. Vous voyez, ça c'est la topologie qui m'a fait de base. Ok, maintenant je vais cliquer sur Remesh On. Voilà, vous voyez, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de retourner dans Blender pour refaire la topologie du vêtement. Ça, c'est une perte de temps inutile. D'accord ? Vous avez l'option qui est déjà disponible. Utilisez-la, vous allez gagner beaucoup de temps. Donc maintenant ici, en Fireframe Surface, moi je vais passer cette fois-ci en Surface Texturisée Épaisse. Pour pouvoir voir l'épaisseur du vêtement. Donc il n'y en a pas pour le moment, mais on va en créer. Alors on va séparer les morceaux. Donc ici en fenêtre en 2D, je sélectionne la manche ici. Avec Shift, la manche là, la manche là, la manche là. Je vais dans Tissu et je choisis, j'avais dit bordure V. Je vais le renommer, comme ça je saurai ce que c'est. Je vais l'appeler manche. Manche bout. Voilà, comme ça je sais que c'est le bout de la manche. Vous voyez, il a changé de couleur, c'est très bien. Ensuite là, pareil, dans la fenêtre en 2D, je choisis le col. Ici, morceau là, et le gros morceau ici, le gros morceau là. Dans tissu, je vais dans col. Voilà, c'est bon. Donc là, vous voyez, on identifie bien visuellement toutes les parties du vêtement. Je regarde par sécurité. Je relance la simulation parce que là, on a changé la topologie du modèle. Donc je relance la simulation. Voilà, donc vous voyez, les plis déjà, ils sont beaucoup plus jolis. Ils se font beaucoup mieux. Ah, par contre, j'ai un point ici, là. Il est là, un point pointu, alors je peux l'arranger à la main. Ouais, voilà, c'est bon. Ça, c'est pas trop grave, c'est une veste. Hein. Voilà. Hop, j'arrête. Alors, le point pointu, il vient d'ici, en fait. Il est là. Alors, si je veux éviter le point pointu, je vais vous montrer comment on fait pour éviter d'avoir un point pas très joli comme ça. Vous avez deux choix. Dans la fenêtre en 2D, vous prenez ça, là, l'outil éditer le modèle. Et vous voyez, là, c'est cet angle-là, en fait, qu'on voit, là, au niveau des coudes, à peu près, un petit peu plus loin que les coudes. Donc, pour éviter ça, si on veut, on peut tout simplement... on a deux options. La première, c'est de bouger à la main le point pour faire une ligne parfaitement droite. Voilà. Mais par contre, il ne faut pas bouger qu'un seul point, il faut bouger tous les points. Donc, vous sélectionnez un point de la face avant. Le deuxième point, il n'y a pas besoin de sélectionner parce qu'il est... Il travaille en symétrie, vous appuyez sur Shift et vous sélectionnez un point de la face arrière. Et là, vous remontez manuellement, comme ça, à la main, en faisant une ligne à peu près un peu plus droite. Donc on remonte comme ça, vous voyez, c'est tout. Ça a fait bouger les deux faces avant et les deux faces arrière en même temps. Vous voyez, ça fait un trou, c'est normal, vous relancez la simulation. Et voilà, et là, normalement, vous voyez, le point, l'angle pointu qu'on est venu au bout des coudes, il n'est plus là. C'est fini, voilà. La deuxième méthode consiste tout simplement, j'arrête la simulation, la deuxième méthode elle consiste, si vous n'avez pas de point entre les deux, elle consiste à cliquer sur le point et de faire effacer le point. De le faire pour la face, avant, une fois parce qu'on travaille en symétrie, et une deuxième fois pour la face arrière. Et vous allez avoir un point direct, une ligne droite qui va aller de ce point-là à ce point-là. C'est tout. Voilà. Bon, alors maintenant on va s'attaquer au bas. Avant de commencer à faire les détails, on va s'attaquer au bas. Donc là, ce que je vais faire... Je regarde si je peux rajouter tout de suite les détails ou pas. Ok,
question, elle est là. Est-ce que je rajoute, est-ce que ça vaut le coup de rajouter tout de suite les détails ou on va le faire en dernier? On va le faire en dernier les détails. Ou non, vous savez quoi, on va le faire tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter? Je vais... Est-ce que ça vaut le coup de rajouter des manches ici ou là? Bonne question. Je suis en train de regarder... Non, là je vais mettre un logo avec Substance Painter. Logo MiTV à l'arrière, donc il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Une petite manche là, enfin une espèce de pochette ici, peut-être. Je sais pas si ça vaut le coup de mettre une pochette. Bon, vous savez quoi, on va quand même le faire. En général, les pochettes, elles sont sur la gauche. Donc on va en mettre une. Alors une pochette ou une pochette, elle est gros. Donc c'est la face avant, c'est celle-ci. Donc là, on va utiliser ici la Internal Polygon Line. Et on va dessiner à la main une forme de pochette. Au niveau du cœur, on va dire, ouais, c'est à peu près ici. Donc je vais me faire, je vais m'éloigner moi, pas trop, on va faire un point là, on va prendre ça de largeur à peu près, là je suis à combien? Je suis à 80,2 de largeur, je clique, ensuite je vais les descendre un petit peu plus loin, donc on va se mettre à 90, on est à 90,2, hop, là je fais un rectangle parfait, je rejoins le dernier point, voilà, ça va fermer, ça va m'en faire deux, un à gauche, un à droite, parce que là on travaille en symétrie. Ensuite, je vais prendre ici, éditer le modèle. Je clique sur la ligne interne qui est ici. Et je vais juste la tirer à la main. Bien, raté. Raté. CTRL Z. J'ai oublié d'activer l'option. Donc, je sélectionne la ligne. Et là, ici, je laisse appuyer. Il y a d'autres options qui apparaissent. Et je fais éditer la courbure. Voilà. Donc, je resélectionne la ligne qui m'intéresse. Et là, je clique dessus. Je laisse cliquer et je tire. Et je lui donne une forme un peu arrondie. Genre ça. Voilà. C'est suffisant pour une poche. Voilà, alors je vais en faire qu'une, celle de gauche. Il n'y a pas besoin, celle de droite, il ne va pas y avoir besoin, ça ne sert pas à grand chose. Une seule, c'est déjà bien. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, on va dans Polygon. Voilà, alors là, je vais utiliser, je vais faire je ferai un nouveau layer pour celui-ci. Donc là, Polygon, c'est pas compliqué, je vais juste tracer, retracer sur les mêmes points. Alors, ça, c'est l'option chiante. Il y a une option plus facile, sinon, on va ici. On laisse cliquer, on resélectionne éditer le modèle. On fait un double clic sur la ligne interne pour sélectionner toute la ligne interne. On fait un clic droit dessus. Et là, ce qu'on fait, on fait convert to baseline. Comme ça. Voilà. Et normalement, je ne sais pas où il est. Il est passé où? Normalement, si je sélectionne ici transformer le modèle et que je vais cliquer là-dessus, transverse to baseline. Voilà. C'est en 3D, j'arrive pas à le choper. Ah, attendez. Je crois que j'ai fait une erreur. Donc CTRL Z. CTRL Z, CTRL Z. Voilà, là je suis revenu là. Donc l'option elle est ici normalement. On sélectionne. Ah voilà, c'est pas ça. L'option c'est ça. Sélectionner, transformer le modèle. Donc vous cliquez sur. Voilà. La ligne interne, ça vous la sélectionne. Clic droit. Et là. Si je fais, c'est laquelle? Ah, c'est pas celui-là, désolé, c'est clone. Clone as pattern, voilà. Voilà, vous cliquez, vous décalez, et voilà, vous avez, voilà. Ça a en fait, ça a copié la forme que vous avez mis en ligne interne, mais c'est un morceau de tissu, ça y est, c'est dedans. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est pas compliqué, je la sélectionne. Dans la fenêtre en 3D, je la repositionne. À peu près, on n'est pas obligé de la mettre précisément, on la met à peu près là où elle va censée être. Voilà. Et là, on va coudre, donc j'utilise ça, couture de segment. Donc, le côté qui est là avec le côté qui est là, le côté arrondi avec le côté qui est arrondi, le côté qui est là qui avec le côté qui est là. Et n'oubliez pas, c'est une poche, donc le dessus, il ne doit pas être cousu, tout simplement. Il n'y a pas besoin de coudre le dessus. Par contre, si vous voulez faire une petite poche par-dessus, vous savez qui se... On va la faire. Le truc qui vient se mettre par-dessus, là, qui se referme. On va la faire. Donc pour la faire, on va pas s'embêter. On va tracer cette fois-ci à la main avec le polygone. Alors, on va se mettre légèrement en décalé. Donc je vais prendre le même espace. Là, je peux me mettre au-dessus. Je clique. Je fais la même largeur. Je clique. Je vais choisir quoi? Je sais pas moi, 30, ça fait beaucoup 30. Oh, c'est pas mal. Je vais mettre à 30. Voilà, à peu près. Hein. Je fais un rectangle. Voilà. Donc il va apparaître. Il est là, ok.
Ensuite, je sélectionne cet outil-là, éditer le modèle. Je laisse cliquer, je fais éditer la courbure ou pas. Alors non, là, je veux que ça soit un peu plus anguleux. Donc là, je clique avec l'outil qui est là, éditer le modèle, je clique sur la ligne qui est là. Je fais un clic droit, je fais séparer. Et alors là, est-ce que je veux faire un truc genre qui descend comme ça ou pas? Non, je vais le séparer en trois parties. Alors, je fais uniforme split. Et en deux parties, je monte de 1, 3 parties, c'est bon, je fais OK, c'est tout. Là, avec le même outil, je prends la ligne du milieu, je la tire à la main, genre comme ça, et j'obtiens cette forme-là. C'est très bien. On va adapter ça après, comme il faut. Donc, ça, vous voyez, même chose, je la mets à peu près comme elle devrait être. Voilà, c'est tout, elle est même un petit peu plus loin. Voilà. Là, ce que je fais, j'utilise l'outil de couture simple. Je prends la ligne qui est là-haut et sur la ligne qui est là. Voilà, c'est tout. Maintenant, on sauvegarde. Allez, fais-toi plaisir. Voilà, ça c'est fait. On va pas... Si on peut le mettre tout de suite. Alors, chose importante, c'est une poche. La poche doit passer par-dessus le vêtement. Donc, là, on n'oublie pas qu'il faut changer, donc on clique sur le haut de la poche, on clique sur la poche principale avec Shift, on descend tout en bas, on n'oublie pas de cliquer sur Remesh On, très important. Et là, dans Calque, on va le mettre à Calque 1. Le 1 passe par-dessus le 0, le 2 passe par-dessus le 1, le 3 passe par-dessus le 2, etc., etc. Voilà, et là, maintenant, on va faire Ajouter. Voilà, et on va appeler ça Poche Veste. Simplement, on lui donne une autre couleur. On va lui mettre tiens, du violet. Voilà. Là, on sélectionne les deux parties de la poche. Ici, dans tissu, on prend poche veste. Et voilà, là, on peut déjà lancer une simulation. Et voilà, on a notre poche qui est faite. Alors, si on regarde bien ici, on se rend compte que le petit bout de poche qui est censé fermer, il est peut-être un petit peu gros. Oh non, 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 il va bien, il va bien. Non, non, j'ai rien dit, il va bien. Alors, il peut arriver que, vous voyez, on est en simulation, il peut arriver que ce bout de poche-là entre en conflit avec le bout de poche-là parce qu'ils font tous les deux partie du même layers. Donc, si jamais ça entre en conflit, celui-là, vous le mettez en layers 1 et celui-là, vous le mettez en layers 2. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Ok, on arrête la simulation. Un petit sauvegarde. Donc là, c'est bon. Je ne vais pas rajouter plus de détails pour le moment. On va faire un détail final après. Mais déjà, il faut faire le mini short. Très important de le faire dans la continuité avant de rajouter des détails supplémentaires. Donc là, je sélectionne tout. Je vais décaler ça. Je vais décaler ça vers le haut à droite. Ça va pas bouger en 3D, mais c'est juste pour moi que ça puisse ne pas me gêner. Maintenant, on commence le mini short. C'est parti. Donc là, comme tout à l'heure, polygone. Alors, mini short, on va commencer à partir de là. Donc là, il y a la taille, d'accord? Donc, un tout petit peu plus bas que la taille ici. Milieu, je clique, je sors. Je laisse un espace entre le personnage. Je clique, je suis la forme du corps. Alors, soit je fais des petits points, soit je fais des courbures. Vous savez quoi? Pour celui-là, on va faire des courbures. Donc, je fais échappe, je recommence. Donc ici, je clique. Voilà, je clique un premier petit point ici, et là, je clique en appuyant sur CTRL. Voilà, et normalement, j'ai une courbure. Voilà, donc on va descendre un petit peu plus bas que ce qui est que d'origine. Hop, on finit en ligne droite. Pareil, on va à l'entrejambe. On laisse bien un espace. Là, on peut appuyer sur CTRL et faire une petite courbure légère. Et on rejoint la ligne du milieu et on rejoint le premier point. Voilà, tout de suite on va aller dans ajouter, on va renommer le nouvel layer en short. Voilà, la couleur, on va lui mettre une autre couleur, on va lui mettre tiens du vert. Voilà. On sélectionne, oups, je suis encore en construction, hop, sélectionné, voilà, je sélectionne le morceau, et là dans le tissu, tout de suite c'est short. Comme ça on identifie tout de suite qu'est-ce que c'est. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va prendre ici, éditer le modèle. Que je vais faire maintenant, je vais créer une bordure pour le short.
un peu comme le col et les manches, le même système. Donc je clique sur cette ligne là, je fais un clic droit, offset, pattern, outline. On est sur du 30, je vais le laisser, je vais voir ce que ça donne. Ça c'est déjà coché, les lignes internes, très bien. Je regarde, ouais ça va, c'est pas méchant, 30 c'est très bien. Je vais faire, là j'y touche pas pour le moment. Donc là, je sélectionne la ligne interne, je fais un clic droit, cut and sew. Ça, on est bien. Là, je l'aligne par rapport à l'original. La ligne rose, c'est bon, on est bien aligné. Ok, on est bon. Si je veux, avant de faire ça, maintenant, je vais couper. Je vais donner la forme du short maintenant. Je vais couper, mais avant de couper, il faut déjà que le short soit simulé. Donc, on va faire l'autre partie. Donc, on sélectionne tout. Clic droit, symétrique pattern, viewing. Hop, je me place. Là, je m'aligne au niveau de la hauteur, c'est bon. Voilà. On est bien. Dans la fenêtre en 2D, on est bien aussi. Ensuite, je sélectionne tout. Voilà. On n'oublie pas de descendre et de cocher Remesh On. Comme ça, on a la topologie qu'il faut dès le début. Je reprends tout. Je fais un clic droit. Je fais copier. Un autre clic droit dans le vide. Copier miroir. Pareil, là, je m'aligne au niveau de la hauteur. Ligne rose. Très bien. Je suis aligné. Fenêtre en 3D. C'est la partie arrière, enfin la face arrière, hop. On fait comme pour le haut. On n'écarte pas trop du corps, il n'y a pas besoin, mais il ne faut pas que ça rentre plus dans le corps. Donc clic droit, flip horizontally, voilà. La partie avant, on peut la rapprocher du corps si on veut. Donc on la sélectionne. Voilà. Là, on va simuler. Alors déjà, on sauvegarde. Et n'oubliez pas, le short doit passer par-dessus la veste. Donc, on sélectionne toutes les faces du short et on va dans calque 1. La veste est en calque 0, donc là on va en calque 1. Voilà. Maintenant, on fait les coutures, donc couture simple. Alors, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. Il n'y a pas besoin, on a fait que Tensu, c'est déjà fait. Face arrière, là et là, là et là. Voilà. Là par contre, on a fait une courbe et plusieurs points, donc on est obligé d'utiliser couture libre qui est ici. Alors, là, jusqu'à là, son opposé symétrique, il est, c'est celui-là normalement, donc ici, juste à là, voilà, ok, ça vient. L'intérieur de la jambe, donc ici, jusque là, et là, son opposé, ici, jusque là, voilà. On n'oublie pas ici les petites bordures qui sont pas brillées, donc couture simple, cette bordure-là avec cette bordure-là. Et là, normalement, tout est cousu. On peut lancer la simulation. Voilà. Donc, le mini short. Enfin, le short passe par-dessus la veste. C'est ce qu'on voulait. Très bien. Alors là, vous voyez, par exemple, si je cache le mini short en sélectionnant tout, je fais un clic droit, Hide 3D Pattern. D'accord. Non, ça va, la veste n'est pas trop longue. Donc, je reclique, Show 3D Pattern. Ça va, on va le laisser comme ça, c'est dans le style, c'est très bien. Donc là, j'arrête la simulation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ligne interne, internal polygon line, et là, on va découper le short pour avoir un mini short, tout simplement. Alors, moi, je pense qu'il faut partir du point où on a commencé l'angle, ici, à l'entrejambe. Donc, ici, on va faire une ligne droite et on va s'arrêter quelque part par là. Sur ça. Alors je clique deux fois pour valider. Et là on regarde ce que ça donne déjà. Oh bah c'est un sacré mini short. Bah c'est pas mal. Ok, ouais ça me va. Donc là je vais faire pareil pour la face arrière. Donc on avait commencé sur ce point là. Donc je clique. Et là pour trouver où je me suis arrêté parce que je suis entre deux points, c'est pas compliqué. Je me laisse sur la ligne. Je monte et je descends. Vous voyez, je vais avoir une ligne rose qui va me dire que je suis aligné par rapport au point de la ligne interne que j'ai fait. C'est ici. Donc double clic pour valider. Ok, donc là on a la coupure, on a la découpe de notre mini short. Très bien. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est pas compliqué. Cet outil-là, éditer le modèle. Double clic sur la ligne interne de la face avant. Clic droit. Cut. Alors là pour le moment, on va faire juste couper. Il n'y a pas de couture qui sont effectuées. On fait pareil pour la face arrière. Double clic dessus. Cut. Voilà. Ensuite ici. Transformer, on va sélectionner les parties qu'on veut pas, donc celle-ci, 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 celle-ci. On appuie sur touche supprimer du clavier, et voilà.
On regarde si on n'a pas trop bougé. Là, vous voyez, ça a décalé légèrement. Donc, tout de suite, dans la fenêtre en 2D, je réaligne la face avec ici. Voilà. Et là, j'ai bougé aussi. Donc, je réaligne la face avec là. Très important. Très important. Vous allez voir pour le reste et pour les décorations, ça, il va falloir les refaire correctement. Donc là, je m'aligne. Hein, je vois pas si je suis aligné. Et je m'aligne déjà par rapport à ce point-là. Ok, là, je suis aligné. Pareil ici. Là, je suis aligné. Je suppose que là, on est... Je crois qu'on est un peu plus haut. J'ai un doute. Attendez, bougez pas. Quand c'est comme ça, on sélectionne. On se rapproche. Non, ça a l'air d'être bon. Alors là, je vais me rééloigner. Je vais faire CTRL-Z. D'accord ? Voilà. Je me rééloigne, vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà, je vais relancer la simulation, déjà. Le short va réagir différemment. Voilà, il va se resserrer. C'est normal. J'arrête la simulation. Là, ce que je vais faire, maintenant, je vais prendre cet outil-là, éditer le modèle. Là, les fesses, on va les arrondir. Donc, c'est ce côté, c'est ce morceau-là. Je clique, alors, je fais pas la même erreur que tout à l'heure. J'ai cliqué ici, je fais éditer la courbure. J'exonne la ligne des fesses, ici. Enfin, la partie arrière. Juste cette ligne-là, et je fais une courbure. Je clique, je garde cliqué, je fais une courbure comme ça. Je relance la simulation. Voilà, ça couvre un petit peu plus. Ok, hein, il est vraiment court comme short. Alors, je tire à la main pour essayer de le ramener un petit peu. Bon, c'est pas moche. Hein. Et maintenant, on va faire les bordures de l'entrejambe. Donc là, on sélectionne l'outil ici. On laisse cliquer, on sélectionne l'unité de modèle. Voilà, et là, on va faire déjà la face avant. Donc je prends cette ligne-là, je fais un clic droit, Offset Pattern Outline. On laisse sur du 30 comme l'autre, comme ça c'est équilibré. Create Internal Line, je fais OK. Je vais faire la même chose pour l'arrière. Je prends la ligne de l'arrière, clic droit, Offset Pattern Outline, 30, Create Internal Line, c'est très bien. Là, je vais les couper. Donc ici, je fais double clic, je fais une clic sur cette ligne interne, je fais clic droit. Cette fois-ci, je fais Cut and Sew, parce qu'il faut que ce soit cousu. Voilà, je fais pareil pour l'arrière, ici, Cut and Sew. Ok, je vérifie s'il ne m'a pas trop bougé, donc... Là, là-dessus, il est chiant. Alors, attendez, bougez pas. On va pas bouger la grosse partie, on va bouger la bordure. Donc, je me réaligne, je suis aligné. Et je suis aligné. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi ça va être utile de s'aligner tout de suite correctement. Je suis aligné et face arrière, je suis aligné aussi. Voilà. Donc, maintenant, on va tout de suite changer les couleurs. Donc, on va ajouter... un nouveau layer, on va le renommer celui-ci bordure short. On prend une autre couleur, du vert un peu plus foncé. Voilà. Là, ici, on sélectionne cette partie-là, celle-ci, la bordure, cette bordure-là, celle-là, celle-là et celle-là. On descend en bas. Normalement, le remesh, il est déjà fait. Dans le doute, je le défais. Et je reclique à nouveau dessus, comme ça il me fait le remesh, on sait jamais. Et là, dans tissu, je vais bordure short. Voilà, on relance... alors, avant de relancer la simulation, désolé, il faut coudre. Donc, couture simple, donc c'est ce bout-là avec ce bout-là. Vous voyez, là, c'est fait. Normalement, ça doit pas... Normalement, ça doit être bon. Et la face interne ici, avec la face interne qui est là. Voilà, on lance la simulation. Donc normalement, oui, c'est cousu. Et là, on a ça qui se déforme. Alors, pour éviter la déformation, on peut laisser la simulation en route. On clique sur bordure short, ici, dans le layer. On descend. Et pour physical propriété, on va choisir trim, foot, grain, lever. Et voilà. Comme ça, ça va garder sa forme. D'accord ? Ça force le tissu à garder sa forme. Ah, vous voyez, j'ai un petit bug. Voilà, donc je clique à la main pour le ramener. Là. Ça devrait être bon. J'arrête la simulation. Ça a l'air d'être pas mal. Là, par contre, ça rentre dans les fesses. Je sais pas pourquoi. Donc, je sauvegarde vite fait. Je vais modifier ça tout de suite. Je sais pas pourquoi. Je remets la simulation en route. Je veux pas que ça rentre dans les fesses. Je veux qu'on voit les formes, mais je veux pas non plus que ça soit... Voilà, là, ça rentre plus dans les fesses. C'est bien. La bordure est pas mal. Ok, j'arrête la simulation.
Je check un peu tous les contours, ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être bien, vous voyez ici on a toujours cette espèce de d'angle là qui nous ennuie. Alors ça c'est dû au petit point qu'on a fait là. Donc là on va utiliser notre méthode, on va sélectionner éditer le modèle. Sur la face avant je prends ce petit point là. Et j'appuie sur Shift et je prends ce petit point là. Sur la face arrière j'appuie sur supprimer de mon clavier. Et ça va me faire une ligne droite à la place. Je relance la simulation. Normalement, ça n'a pas brisé la couture. Voilà. Et là, normalement, c'est bon. On a plus vraiment cet angle, cette espèce d'angle angulaire. Après, il faut pas oublier que là, à cet endroit-là, il y a la chemise. Il y a le pli de la chemise qui fait ça aussi. Donc là, c'est normal, il n'y a pas de souci. Ok, j'arrête la simulation. Très bien, je peux... Bien. C'est pas ici, c'est là. Je sauvegarde. Là, on va rajouter les poches à l'arrière, donc on s'occupe que de la face arrière. On va utiliser le même système que pour la chemise, internal polygon line, mais cette fois-ci on va mettre les poches sur, on va faire les deux poches, on va pas s'embêter. Donc ce que je peux faire, je fais déjà la ligne interne, donc j'en fais déjà une pour voir si la taille est pas mal. Donc je clique à peu près par ici, hop, jusque là, hop, je fais un rectangle ici, là je m'aligne par rapport au point. J'arrive pas à m'aligner, alors voilà, là je dois être aligné normalement, et je clique pour valider. Alors qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est un petit peu gros quand même, un petit peu gros, ok. Donc là ce que je vais faire, je vais utiliser ici normalement, attendez bougez pas, est-ce que je peux le sélectionner? Ah je peux sélectionner, très bien, donc je sélectionne cet outil là, qui transforme le modèle, je clique sur la ligne interne, et là la main... Je vais juste réduire sa taille comme ça. Un petit peu moins haut aussi. Bon, on est pas mal. Ensuite, je retourne ici. Je laisse cliquer et je fais éditer la courbure. Je choisis la ligne du bas. Et là, tout simplement, je clique dessus. Et je la déplace pour faire une courbe. Voilà, c'est tout. Pas besoin de plus. Je reclique, je reprends éditer le modèle, je reprends sélection transformer le modèle, je clique dessus à l'intérieur, donc ça commence à sélectionner. Je fais un clic droit, je fais clone. Alors avant de faire clone as pattern, moi je veux deux poches, donc je clique là, j'appuie sur shift et je reclique ici, si j'arrive à le choper. Bon c'est pas grave, j'en ai qu'un, je fais clic droit, je fais clone as pattern, et là je le positionne un peu plus bas, en contrebas ici. Qu'il vienne, donc là il m'en a fait qu'un. Voilà, c'est pas grave. Il m'en a fait qu'un ou pas? Ouais, il m'en a fait qu'un. Donc c'est pas grave s'il m'en a fait qu'un. Donc là, dans la fenêtre en 3D, je le bouge déjà. Hop là, je vais le bouger comme ça. Je vais le mettre à peu près là où il devrait être, c'est-à-dire ici. Voilà. Là, par contre, je ne sais pas si je suis face externe et face interne. Je ne sais pas si je suis bien. Donc je reclique dans le vide, je regarde. Alors, non, je pense qu'on est bien. Non, ça a l'air d'être bon. Face intérieure, c'est bon. Face extérieure, donc là, pas besoin de faire de flip horizontal pour celui-ci. Donc là, dans la fenêtre en 2D, je prends celui-ci, je fais un clic droit et je fais copier, tout simplement. Je refais un clic droit et je fais coller et je le mets là. Voilà. Et il est où? Je clique dessus. Là, vous voyez, lui, il n'est pas. Il a la bonne couleur ou pas? J'ai un doute. Non, si, c'est bon, il est bon. C'est celui-là. Donc là. Dans la fenêtre en 3D, je le remets là où il doit être, c'est-à-dire à peu près par ici. Voilà. Donc là, c'est bon, je suis aligné, on est pas mal. On va coudre. Alors, couture simple. Le côté avec le côté. Ah, alors non. Quand ça fait ça, ça veut dire qu'on n'est pas bien. Alors, CTRL-Z. Je vais essayer sur l'original. Donc, c'est ce côté-là avec ce côté-là. Ça donne quoi? Non, on n'est pas bien. Donc, il faut faire un flip horizontal. Je m'en doutais. Donc, je prends les deux, 1 et 2. Dans la fenêtre en 3D, je clique et je fais flip horizontal. Voilà. Donc la couture simple, je teste. Le point qui est là, il va avec lui. D'accord. Le point qui est là, il va avec lui. Et le dessous, il va avec lui. Comme c'est une poche, on fait pas le dessus, il n'y a pas besoin. Donc là, c'est un peu inversé. Bon, c'est pas trop. C'est inversé. Celui de gauche, il a gauche. Celui de droite, il a droite. Celui à gauche, il a droite, etc. Mais on s'en fiche. Le point ici avec le point là. Le point ici avec le point là. Le point ici avec le point là. Voilà, là je suis dans tissu, bordure short, on est bon. Donc je vais, c'est une poche, donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est une poche? On clique dessus. Alors lui, le vêtement est en layer 1, donc la poche,
On va le mettre en layer 2, tout simplement. On regarde si on a bien remesh. Donc, vous voyez, remesh n'est pas mis. Donc, je le mets en même temps. Voilà. Et c'est calque numéro 2, puisque le short, il est en calque numéro 1. Je fais lancer la simulation. Et voilà. On a nos poches qui sont mises dessus. Alors là, les poches, je désactive la simulation. Est-ce qu'elles sont bien ou pas ? En train de me poser la question, est-ce qu'elles sont... Ouais, elles sont pas mal. Moi, je les verrais peut-être un petit peu plus basses, les poches. Alors, si vous voulez tout faire bouger, il vous suffit juste de sélectionner le carré interne, d'accord ? Parce qu'il n'y a pas besoin et de bouger plus comme ça. Il n'y a pas besoin de bouger la poche en elle-même, puisque elle est déjà cousue. Donc, quand vous allez réactiver la simulation, la poche va suivre automatiquement. Ouais, là, c'est mieux comme ça. Ouais, voilà, c'est mieux. J'arrête la simulation. Donc là, je refais un nouveau calque et je vais l'appeler poche short. Ouais. Poche short. Je lui redonne une couleur autre, tiens, du truc plus foncé. Je reprends mes deux poches qui sont là, 1 et 2. Je vais dans tissu et c'est poche short. Je lance la simulation. Et normalement, on est bon. Alors, elles sont un petit peu déformées parce qu'elles suivent la forme du corps. C'est pas grave ça. Alors pour qu'elle soit moins déformée, je crois que je vais les rapprocher du centre. Alors par contre là c'est chiant, je sais pas pourquoi ça lui rentre dans les fesses comme ça. Donc j'arrête la simulation. Donc là je reprends la ligne interne ici et je vais juste la décaler un petit peu plus vers l'intérieur. Je regarde ce que ça donne. Ça a l'air d'être mieux ici. Je relance la simulation. Ouais, c'est un petit peu mieux. Alors les poches. Je sais, elles sont peut-être trop grosses après, hein, c'est possible. Hein. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça, c'est déjà bien. Moi, je pense qu'il faudrait quand même le remonter un peu en hauteur. Genre ça, ouais, voilà. Ouais, oui, voilà, là, elles sont moins... Ouais, là, c'est mieux. Ouais, là, c'est beaucoup mieux. Ah, par contre, je veux pas que ça rentre dans les fesses. Peut-être en tirant là. Ah, voilà. Ouais. Ah tiens, c'est parfait, on va couvrir un peu plus la fesse comme ça. Voilà, bah voilà, il était là le problème. Ça c'est réglé, ça rentre plus dans l'arrêt des fesses. Impeccable. Alors je suis toujours en simulation, j'ajuste un peu quand même. On est pas mal hein. Ok, j'arrête la simulation et maintenant on fait les détails, c'est parti. Maintenant on va faire les épaisseurs. Et vous allez voir, on va faire un truc cool. Alors par contre, ça va pas être évident. Alors bougez pas. On est bon, tous les éléments sont bien séparés, normalement, c'est parti. Donc, cette fois-ci, je vais sélectionner la bordure du short ici. J'appuie sur Shift, bordure, je prends toutes les bordures du short. Donc ça compte aussi l'entrejambe, voilà. J'oublie pas de prendre les bordures des poches, enfin la poche en elle-même, ok. Maintenant, on va tout faire d'un coup, donc toujours avec Shift, je prends la poche de la veste, je prends les manches. Les bordures d'ici, je reprends, j'oublie pas de prendre toutes les parties des manches, donc c'est aussi la face arrière ici, le col à l'arrière ici, et ça. Et là maintenant que j'ai tout sélectionné comme ça, je vais aller ici dans Add, ici Add Thickness, et je vais mettre une épaisseur de 3. Je valide en appuyant sur Entrée, et voilà. Et là, si vous ne le voyez pas, vous allez ici, et vous choisissez, si vous êtes en surface texturisée, vous ne direz pas. Donc vous cliquez là, vous faites surface texturisée épaisse. Et on peut même relancer la simulation si on veut. Et là, vous voyez, hop, j'arrête la simulation. Maintenant, les poches, elles ont du volume. La bordure du short a du volume. Les bordures internes ont du volume. Les manches ont du volume. Les cols ont du volume par rapport au reste du vêtement. La poche de la veste a aussi du volume. Et puis, bah voilà. C'est très bien. Et maintenant, c'est pas fini. On va rajouter l'ultime détail, celui qui va faire un truc assez cool. Donc, je sauvegarde. On va mettre un zip sur la face avant du... Ça va être une veste qui s'ouvre avec un zip. Donc, pour ça, par contre, j'ai besoin de cacher le short parce qu'il est par-dessus, donc il me gêne. Donc, je sélectionne dans la fenêtre en 2D. Clic droit. Hide 3D pattern. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire... Je vais aller ici dans Edit Sewing, je vais sélectionner ici la couture de la face avant, cette partie-là, et je vais appuyer sur Supprimer. Donc là, c'est plus cousu, d'accord? Ce que je peux faire maintenant, c'est juste lancer la simulation. Ça va ouvrir sa veste,
Et voilà, c'est ouvert. Alors là, la veste ne s'ouvre pas complètement, c'est normal. Parce que le short la tient, on est bien d'accord. Le short, il est invisible, mais il est toujours là. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre un zip. Donc, ici, cet outil-là, zipper. Je clique dessus. Maintenant, alors, le zipper ne peut se faire que dans la fenêtre en 3D. Donc, il va falloir être bien observé. Donc, je prends le point du bout, là, l'angle, ici. Je clique une fois. Je descends, je suis la ligne. Vous voyez, elle est en bleu. Je ne sais pas si vous la voyez dans la vidéo. Elle est en bleu, je vais jusqu'au bout, c'est-à-dire à l'autre point. Là, maintenant que je suis là, je fais deux clics. Je clique deux fois. La ligne devient marron foncé. Noir, quasiment noir. Je fais, maintenant, il faut faire l'endroit où ça va se fermer, c'est-à-dire l'opposé. Donc je tourne la caméra. Donc je prends l'angle ici. Je clique. J'ai toujours ma ligne bleue qui suit la ligne. Je vais, pareil, au bout, jusqu'à l'angle ici. Double clic pour valider. Et voilà. On a ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va lancer la simulation. Et le zip va se fermer. Voilà, on a fait un zip. Alors là, attendez. Là, je clique. Alors là, oui, il ne faut pas oublier qu'il y a le short par-dessus. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, je stoppe la simulation. Je vais dans la fenêtre en 2D. Je sélectionne toutes les parties de mon short. Je fais un clic droit. Je fais Show Free Pattern. Voilà, c'est mieux. On verra mieux. Et là, on peut déjà, première fois, sauvegarder. Très important. Maintenant, on va ouvrir la veste. Comment on ouvre la veste? Et bien, comme ça. Tout simplement. On lance... on n'a pas besoin de lancer la simulation. C'est un petit peu étrange, mais on n'a pas besoin. On clique. On est là, on est sur ça. Vous voyez, là, Select Move. On clique sur le zipper. On laisse cliquer et on tire vers le bas. Vous voyez, on a un fantôme. On a un fantôme qui apparaît. Là, vous voyez? Je m'arrête là entre les seins. Je relâche. Je lance la simulation. Et voilà, j'ai ouvert la veste. Alors après, ça joue avec la physique. Hein. On est bien d'accord. Après, à la main, j'écarte. Voilà, écarte-toi. Hop, il veut pas trop s'écarter. Bon, il s'ouvre comme ça. Après, si je veux que ça s'écarte plus, j'arrête la simulation. J'ouvre plus le zip. Je clique dessus et je descends. Vous voyez, on a son fantôme qui apparaît. Je relâche. Je relance la simulation. Et voilà, on a plus ouvert la veste. Après, à la main, là, je peux tirer de ce côté-là. Voilà, ça va faire un truc de ce style-là. Après, il faut ajuster à la main. Voilà, alors la poche, ici, sans plus. Donc là, mais bon, là, c'est pas mal. Donc, je stoppe la simulation. Alors, je vais la remettre et je vais tirer un peu de l'autre côté, par contre. Pour que ça soit un peu équilibré. Ça ne fasse pas moche. Il arrive à choper. Alors, je vais tirer la manche. Ce sera peut-être plus simple. Je veux juste éviter qu'il y ait trop de plis à gauche et à droite. Après, c'est pas très beau. Enfin, ça fait réaliste, hein, mais bon, après, sans plus. Voilà. Bon, bah voilà. On est pas mal. Peut-être un petit peu plus haut ici. Après, c'est des ajustements à faire à la main. Hop, je stoppe la simulation. Voilà. La poche qui est ici, c'est un truc qui me plaît pas. Alors, je sais pas, la poche qui est là, franchement, elle me plaît pas. Je vous ai montré comment la faire, mais vous savez quoi, moi, je vais pas mettre de poche à cet endroit-là, parce que finalement, au final, je trouve que c'est pas beau. Donc, ce que je vais faire, je vais la supprimer, tout simplement, je vais pas m'embêter. Donc, je supprime cette partie-là, j'appuie sur supprimer le nom clavier. Ça m'intéresse pas. En fait, je la trouve pas belle. C'est... Chacun ses goûts, je vous ai montré comment en faire une. Je vais supprimer la ligne interne aussi, hein, supprimer. Voilà. Je remets la simulation. Alors ça, c'est chacun ses goûts, mais là, je pense pas qu'une poche là, ça soit vraiment utile. C'est pas beau. Voilà, ok. Donc du coup, le layer de poche veste, je le supprime aussi, il sert plus à rien. Oui. Je crois que c'est pas mal. Par contre, là, vous voyez, j'aimerais ajuster les poches. Alors là, on va tricher, en fait, pour ajuster les poches. On va aller sur la face arrière. On va juste prendre cet outil-là, éditer le modèle. Et on va cliquer sur ce point-là, on va juste... Vous voyez, on voit que c'est ce point-là qui nous gêne, donc on va le descendre un peu plus bas en biais. C'est tout. On relance la simulation, on regarde si ça fait quelque chose. Ça a l'air de le remettre un petit peu mieux. Ouais. Alors, je rappuie sur CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire. Et là, du coup, je vais prendre le point en biais de la ligne interne ici. J'appuie sur Shift et je vais prendre le point en biais de la poche elle-même. Alors,
normalement, je dois pouvoir prendre tout. Voilà. Et là, je descends à la main. Faut qu'elle soit tous les deux en biais. Voilà, c'est mieux. Ah oui, c'est mieux. Je relance la simulation. Ça donne quoi? Ah oui. Ah oui. Là, là, la poche est mieux. C'est plus joli. Très bien. Impeccable. Bon, ben, on va garder ça. Très bien. Je arrête la simulation. Je regarde s'il y a besoin de rajouter d'autres détails. Non. Je pense que c'est déjà bien. Ah si, l'avant pour faire, vous savez, comme une braguette. On va rajouter ça. Alors, pour faire comme une braguette, vous savez, il y a une couture. Alors, on peut faire, si on veut, on peut ouvrir l'avant et faire une braguette avec ça. Hein. Il n'y a pas de souci, hein. Ça va fonctionner. Si vous voulez, hein, c'est le même système. Là, vous sélectionnez avec l'outil éditer les coutures. Vous séparez celle-ci, vous séparez celle-là et vous faites une braguette pour ouvrir le short. Mais je vais pas le faire, je vais faire une espèce de cache. Alors, comme ça, c'est pas compliqué. Poche short. Je vais mettre sur bordure short. Parce que ça va faire partie de la même truc que ça. Ça sera la même couleur. Donc, voilà. Et là, je prends juste polygone. Et là, je vais faire une ligne interne. Alors, déjà, ligne interne. Donc, ça, on est sur la face. C'est que sur la face avant, hein, d'accord. Donc, je vais prendre. Alors, ça va pas. Ça va aller là. Et ça va faire ça. Voilà. C'est tout. Donc, je vais m'arrêter ici. Je clique ici. Je vais faire pas trop épais, du 15. En tout, ça fera 30. Hop, je monte. Et là, je clique. Alors là, je peux passer à travers, hein, bien entendu. Est-ce qu'il y a besoin de passer à travers? Non, il n'y a pas besoin. Donc, je m'arrête ici, à cette ligne-là. Très bien. Je suis droit. Je suis en train de chercher. Voilà, là, je suis droit. Je clique. Je clique sur le point ici. Je suis, en fait. Maintenant, il n'y a même pas besoin. Attendez, j'ai fait une connerie. Non, non, il n'y a pas besoin. Je me mets à peu près ici. Donc, j'ai dit un écartement de 15. À peu près. Hein. Voilà. Je pars droit. Voilà. Et là, je fais un double clic pour valider. On est en ligne interne, donc on n'a pas besoin de fermer. Ok. Je regarde dans la fenêtre en 3D si ça correspond à ce que je veux faire. C'est peut-être trop bas. Ok, c'est trop bas. Donc, on va remonter. Donc la même chose, on utilise cet outil-là, éditer le modèle, je prends juste la ligne interne qui m'intéresse et je la remonte à la main. Voilà. Apparemment, il faut la remonter de beaucoup. Ça donne quoi? C'est encore trop? Ok, donc je remonte encore plus. Ah bah voilà, là c'est bien. Et là, je vois que comme le vêtement va être tendu, il est tendu par rapport au corps, ça va partir en V. Donc ce que je peux faire, je peux tricher tout de suite. Donc je peux cliquer sur le point-là et le mettre un peu plus en biais vers le haut. Voilà, et là, on a quelque chose de droit. Ok. Et maintenant, je vais tout simplement prendre un polygone. Et là, cette fois-ci, je vais pas m'embêter. Hein. Je vais pas faire une partie. Je vais tout faire d'un coup. Donc, je clique sur le point interne ici, sur l'autre qui est ici. Je suis la ligne. Je me mets sur le point là. Je me mets sur le point qui est là. Et je me mets sur le point qui est là. Voilà. J'ai ça. Alors, très important, cette partie, on la sélectionne. On n'oublie pas d'aller tout en bas et de faire Remesh On. Et on n'oublie pas de lui donner une épaisseur comme les bordures. Donc c'était ici en Add Thickness. On était à 3 partout. Donc on y met 3. Voilà. On n'oublie pas que le short il est en calque 1. Donc lui, il faut qu'il se passe obligatoirement par-dessus. Donc on va le mettre en calque 2. Pour pas qu'il se chevauche. Tout simplement. Là maintenant, ce qu'on va faire, on va le décaler ailleurs. Je le décale juste sur le côté en biais. Voilà, c'est tout. Et on va utiliser déjà couture simple pour les côtés. Donc, cette bordure-là avec cette bordure-là. Cette bordure-là avec cette bordure-là. Et là, par contre, on va être obligé d'utiliser un autre outil. Donc, je prends ici couture libre. Je laisse cliquer dessus. Je prends free sewing. Et ce qu'on va faire, c'est que je clique sur le point du haut qui est ici. Je vais sur l'autre point du haut qui est ici. J'appuie sur entrée une fois. Ensuite, c'est les deux points qui sont les quatre points qu'il faut jouer dans le même sens, de droite à gauche. Donc, si j'arrive à chauffer, voilà, le point qui est là, je clique. Le point qui est là, je clique. Ensuite, toujours de droite à gauche, le point qui est là, je clique. Le point qui est juste ici, si j'arrive à chauffer, je clique. Maintenant, c'est validé, j'appuie sur Entrée. Voilà, il m'a fait une couture, vous voyez, dans la continuité. Donc, c'est bon. Je fais pareil pour le bas. Donc, je descends. Donc, de droite à gauche, ou de gauche à droite, du moment que vous gardez le même sens. Donc, je clique sur ce point-là, je clique sur ce point-là, j'appuie sur Entrée. Ensuite, même chose pour là, mais en 4 fois. Donc, sur ce point-là, sur ce point-là, sur ce point-là, sur ce point-là, j'appuie sur Entrée pour valider. Et maintenant, ce que je fais, je vais juste dans Simuler. Et voilà.
c'est bon. Ça donne l'illusion, vous savez, que c'est le machin. Vous savez, sur un short ou sur un jean, vous avez une braguette. Et quand la braguette est fermée, généralement, vous avez un morceau de tissu qui passe par-dessus pour la cacher. En fait, ça donne cette illusion-là. Voilà. Donc, il n'y a même pas besoin de faire une braguette. Vous avez déjà l'illusion. Donc, j'arrête la simulation. Je regarde si le vêtement se place vraiment comme j'ai envie qu'il soit placé au niveau des plis. Si c'est pas le cas, bah, c'est le moment de bouger ça à la main, tout simplement. Avec la simulation route, bien entendu. Donc là, on va dire que c'est bon. Peut-être ici, là, ça me plaît pas trop. On lance la simulation. Ce que je vais faire, oui. Je stoppe la simulation. Je vais cacher le short pour pas qu'il me dérange. Donc, clic droit, Hide 3D Pattern. Voilà, je relance la simulation. Donc là, oui, je veux virer un peu le pli qui est là. Donc, je tire vers l'intérieur du short. C'est un petit peu plus joli comme ça. Et là, pareil, je vais tirer un petit peu plus. Voilà. C'est pas mal. On va le laisser comme ça. J'arrête la simulation. Je reprends mon short. Clic droit, Show 3D Pattern. Je relance la simulation, voir ce que ça donne. Voilà, c'est très bien. Là, ça va. Franchement, là, je peux peut-être juste tirer un peu plus comme ça. Et ben voilà, j'arrête la simulation. Tout est bon. Donc maintenant, on va sauvegarder et on va organiser nos UV tranquilles. Alors, tout est nommé, on sait qu'il y a la veste, on sait qu'il y a le bout des manches, on sait qu'il y a le col avec le zip qui est dessus, on sait qu'il y a le short, on sait qu'il y a la bordure des shorts, on sait que la poche short. Donc là, lui, celui-là, le haut, il est déjà fait, donc on n'a pas besoin d'y toucher. Le bas, la seule chose qu'il faut faire, c'est séparer les poches du reste du vêtement. Donc les poches, on va les mettre, tiens, on les met en haut. Voilà, et la bordure de là, on peut les mettre à côté, entre les deux faces. Voilà, comme ça, ils ne gênent pas. On est pas mal, donc là, moi ce que je vais faire, je vais rapprocher ces deux faces-là ensemble. Donc je sélectionne toute cette partie-là, c'est la face arrière, je les rapproche. Le but c'est qu'ils ne se touchent pas, mais c'est qu'ils soient rapprochés. Très bien, toujours en même hauteur. Et là je prends tout mon short, et je vais le coller ici, c'est très bien. Comme ça, il rentre, et je crois qu'il rentre pile entre les deux. Non ? Bah si, impeccable. Très bien. Donc là, c'est bon. Maintenant, je vais dans Simulation, je vais dans UV Editor, tout simplement. Et là, je vais faire un clic droit, je fais Set UV from Pattern Alignment. Voilà, et je reclique encore Fit UV to Knife Edge 01. Je fais OK, voilà. Et là, là, ce que je peux faire, si je peux m'amuser à agrandir le truc, donc je peux sélectionner tout. Avec là, j'appuie sur Shift, et je peux faire des rotations à 90 degrés comme ça. Je peux bouger tout comme ça. Et je peux même l'agrandir un peu, lui donner une taille un petit peu plus grosse. Voilà, c'est tout. Après, ça, c'est pas obligatoire, hein, puisqu'on va passer sur Substance, donc normalement, il n'a pas besoin qu'on fasse ça. Mais je le fais juste comme ça, pour le fun. Voilà, c'est tout. On est bien. On a nos UV qui sont là. Il n'y aura pas de physique dans ce vêtement-là, c'est-à-dire que le vêtement ne bougera pas, il n'y aura pas de white map, donc il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de le laisser droit et de séparer tout ce qu'il faut. Non, c'est bon. Impeccable. Je reclique sur simulation. On est bon. Alors maintenant, le choix final, important. Si vous souhaitez composer cet élément en... comment je peux dire? En deux éléments, vous devez cacher le haut ou le bas et exporter un par un. Par contre, si vous voulez que ce soit une seule et même tenue, là, bah, c'est bon, il n'y a pas besoin d'y toucher. Hop, je relance juste la simulation. Parce que là, je vois que là, ça ne me plaît pas comment c'est mis, ça. Alors, j'arrête la simulation, je vais cliquer juste là, sur ça, sur le petit bout là, et je vais juste le faire pivoter comme ça, vers le bas. Voilà, c'est tout. Je préfère. C'est plus joli, c'est mieux, parce que ça, c'est normal que ce soit en biais, mais ça, normalement, ça doit aller vers le bas. C'est tout. Bah, moi, ça me va. Donc si vous voulez exporter le tout en une seule et même tenue qui aille ensemble, vous avez juste à faire un clic droit dans la fenêtre en 3D, Hide All Avatar, et là, tout ce qui est visible sera exporté. C'est-à-dire, ça fera une seule et même tenue. Par contre, si jamais vous souhaitez exporter un par un, il faudra cacher le bas ou cacher le haut. Donc là, moi, je pense que... Est-ce que ça vaut le coup de le faire en deux fois? Je suis en train de réfléchir. Non. Ça vaut pas le coup de le faire en deux fois, c'est une tenue complète, donc non. Je vais exporter ça comme ça. Donc, dernière chose à faire, on clique sur tous les layers, donc je clique sur premier, j'appuie sur shift, je clique sur dernier,
je vais dans color et je mets entièrement en blanc. Voilà. Et là, on est prêt. Là, c'est bon, on est prêt. Donc, je vais dans fichier, je vais dans exporter. C'est du FBX. Alors, c'est de quoi? C'est LMD 3.5. LMD 3.5. Merde, raté. Je vais annuler, désolé. J'ai appuyé sur entrée au lieu d'appuyer sur le petit bouton, sur le point. Exporter, FBX. LMD 3, le point, et le 5. Et là, on peut appuyer sur entrée. Alors, cette fois-ci, comme il y a de l'épaisseur, qu'on a mis de l'épaisseur sur le vêtement, on est en FIC, donc c'est bon. Centimètres, c'est bon. On a juste à faire OK. Voilà, donc là, je refais un clic droit, je fais Show All Avatar, c'est bon. Je sauvegarde une dernière fois mon projet. Avant de... c'est ma faute. Avant de fermer mon projet, ce que je vais faire, je vais lancer Substance Painter. Donc, c'est parti. Avant de fermer Marvelous Designer, je lance Substance Painter déjà pour être sûr que les UV sont bien faits. Si les UV sont pas bien faits, normalement le vêtement ne va pas apparaître. Ok, donc on est dans Substance Painter, ça allait vite. File, New, 4096, OpenGL, c'est bon, sélectionné, LMD 3.5, ouvrir et OK. Et voilà. On a notre vêtement. Très bien. Je pense qu'il est bon. Ok. Bon, on va coloriser. Vous savez quoi, la vidéo va être un petit peu plus longue. On va coloriser le vêtement. On va le faire en complet. Alors, je vais faire la même truc que j'avais fait dans la vidéo de présentation que j'avais pas fini. Là, vous voyez tout de suite, là, dans texture setlist, on a des choses qu'on n'avait pas. Qu'on n'avait pas dans nos trucs. On a fabrique, on a matériel. Ça, on ne sait pas ce que c'est. En fait, si. En fait, regardez quand je cache. Ça, c'est. Le zip, d'accord. Matériel machin, c'est le zip. Matériel truc, ça c'est le gros. Et ça, c'est le petit truc qu'on prend à la main pour. Voilà. Vous voyez. Donc ça, au moins on sait ce que c'est. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dans fabrique. Je vais faire la même couleur que j'avais fait pour la vidéo. Donc moi, j'avais utilisé padded wool. Donc je prends, je glisse sur le vêtement principal. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de la normal map, je n'ai pas besoin de la height map. Si, attendez. Je vais augmenter le scale déjà pour voir. Ah, alors attendez, je n'ai pas besoin de la metal. Voilà, c'est ça. J'ai pas besoin de la metal map parce que c'est pas du métal. Ouais, c'est bon. Alors, je bouge la lumière. D'accord, voilà. Alors, la height map, non, c'est pas beau. La normal map. Ah, normal map, c'est pas mal. Mais il faut pas oublier qu'on a un short qui va être dans le même coloris, avec la même texture. Donc, soit ça, avoir du relief comme ça sur un short, c'est pas très joli. Donc, je vais retirer la normal map. Ok, maintenant, je vais ajuster la couleur. Je vais dans attribut, non, c'est pas dans attribut. Chanel, non. Advance, voilà, paramètres avancés. Alors, je vais le faire tourner. Je vais déjà changer la couleur. Moi, je veux un truc un peu plus orangé, ou dynamique. Un petit peu plus orangé, donc ça, c'est trop orangé. Je veux du jaune, mais jaune moutarde à la limite. Voilà, ça c'est pas mal. Cette couleur-là est pas mal. Ok, alors 114, 884, 880. Vous savez quoi, je vais noter sur un bout de papier. Alors, ça c'est pour mettre la même couleur partout. Alors, on est en... Je sais plus ce que j'ai fait, c'est du HSV... HC0114, le S c'est 0884 et le V c'est 0880. Voilà, comme ça je peux remettre la même couleur pour le short. Ok, très bien. Ensuite, la roughness map, c'est ce qui fait les reflets. Je vais l'augmenter, je vais voir ce que ça donne. Donc, plus c'est augmenté, moins il y a de reflets, moins c'est augmenté, plus il y a de reflets. Alors, la question, c'est est-ce que je veux qu'il y ait des reflets sur le vêtement? Bonne question. Moi, je pense pas. Je vais mettre 0.5, la moitié. Il y aura quelques petits reflets, mais légers. Ouais, c'est pas mal. On va le laisser à 0.5. Très bien. Donc, tout de suite, je reprends padded wool, je le mets sur le short. Voilà. Donc, même chose. Pas de normal, pas de height map. Ah, j'ai pas vu. Alors, je reviens. Je reviens sur... il est où? Fabrique front, c'est lequel? C'est pas celui-là. Col front, bordure, manche. Bordure short, c'est pas lui. Je suis en train de chercher lequel c'est. Manche, bout.
Veste, ah voilà, c'est celui-là, désolé. Veste, là, j'ai pas vu à combien j'étais en scale. Donc là, je suis à 26, donc on va arrondir, on va se mettre juste à 26. Voilà, très bien. 26 en scale, ok. Ah, j'ai vu un petit défaut derrière. Je regarde. Ah, un petit défaut juste ici. Alors, si je passe à 27 en scale, à la main peut-être. À 13, on est bien. Hein. C'est un peu gros, 13. Quoique, ah non, c'est, ah non, 13 c'est mieux. 13 c'est mieux, ça rend mieux pour, au niveau derrière. Donc je vais mettre à 13 en scale. Ah, c'est pas ça, non. Donc j'étais à combien? J'étais à 13,15. 13,15. Parfait. Donc je vais mettre du 13,15 pour le bas. Donc texture 7, je vais dans le short, il est là. Voilà. J'ai pas besoin de la metal map. Voilà. Et en scale, on va mettre 13,15 comme l'autre. Alors ça donne quoi? C'est bien équilibré. Ouais, un petit défaut au niveau là, alors tu peux peut-être, vous voyez la jointure, je peux peut-être réduire à la main. Là, il n'y a plus de défaut, mais c'est trop gros. Si je mets à 14. À 14, oui, c'est bon, ça efface léger. Il y a un petit décalage léger là, mais c'est pas grave. C'est, ça va, franchement, c'est pas bien méchant. Ok, très bien, je garde ça. Donc maintenant, on va dans paramètres avancés. En roughness, on était à 0,5 pour l'autre, 0,5. Ici en couleur, alors mon petit papier il est où? En H, on est à 0,114. Voilà. Ici on est à 884, 0,884. Et ici on est à 880. Et voilà, on a exactement le même coloris que pour le haut. Donc là, on est bien. Maintenant, ce que je vais faire. Je vais faire les autres parties. Alors, la question c'est en noir, comme j'avais fait, c'était pas mal. Hein. Allez, va pour du noir. Donc, je vais mettre Artificial Liver sur cette partie-là du vêtement. Déjà. Voilà. Alors, Artificial Liver, c'est la même chose. J'ai pas besoin de la heatmap parce que c'est pas beau. Moi, je veux juste la couleur qui est là. Très bien. Okay, très bien. Bah, c'est bon. Est-ce que j'ai besoin de la Rougness Map? J'entends de regarder. Rougness, on voit les défauts. Je vais pas mettre de rudeness map, quoique sur le col. Je regarde la rudeness, elle a combien? Rudeness. Je la vois pas, de toute façon, attribut, je vois pas combien il a mis la rudeness de base. Donc, en plus, vous savez quoi? Je vais pas mettre du cuir, je vais mettre autre chose que du cuir. Donc je supprime Artificial Liver. Je vais mettre une autre matière que du cuir. La question c'est quoi? Matière un peu jean? Non, ça va pas être beau. Tiens ça, de là du satin générique. Voilà, ouais, c'est mieux ça. Ouais. Et par contre, je vais pas le mettre en rouge. Alors la heatmap c'est pour on voit une différence ou pas avec la heatmap? Je suis en train de regarder. Léger, moi je peux la laisser normal map. Normal map, ça nous donne du relief. C'est pas moche, le relief est pas moche, je vais le laisser. Ok, très bien, Rougness Map. Si je l'enlève, on brille totalement. Ok, donc là, Rougness, est-ce qu'il y a besoin de changer? Je regarde déjà. Je suis à 0,498, on va laisser. Et en couleur, je vais mettre en noir. Ah bah voilà, là c'est beau, en plus il y a des reliefs dessus. Très bien, ok, je garde. Donc c'est celui-ci qui en est en noir, et on n'a pas besoin de toucher le scale. Très bien, donc je fais pareil pour les bordures du short. Donc on a dit qu'on avait mis la normal map, voilà, donc c'est bon, ça nous a mis le relief. On n'avait rien touché, et on s'était juste mis en noir. Voilà, très très bien. On n'oublie pas les manches. Ça va avec. Donc normal map en route, et couleur noire. Voilà, on est bon. Les poches, dans la démo, j'avais mis pareil. Merde, désolé. Attendez, je vais changer la luminosité. Voilà. Je pense qu'on va les mettre aussi en noir, les poches. Comme ça va aller avec l'ensemble. Donc c'est parti. Ici, que générique sur les poches. Même chose, la normale est en route. Et la couleur complètement noire. Voilà. Comme ça va ensemble. Bah, je pense qu'on est bon. Ah, le zipper. On l'a pas fait. Donc je change la luminosité. Si vous voulez faire bouger la lumière dans Substance Painter, c'est Shift. Et le bouton droit de votre souris pour pouvoir la bouger. Donc le zipper, on va lui mettre une couleur
blanc, tout simplement. On va pas s'embêter, hein, c'est du zipper. Attendez, je vois pas où il est. Il y a beaucoup, beaucoup de lumière dessus. Le zipper, qu'est-ce que je vais lui mettre, du plastique? Ouais, bah oui. Alors, plastique, plastique mat. Je fais glisser dessus. Voilà. Alors, on va pas le laisser en bleu parce que c'est pas beau, on est bien d'accord. On va lui mettre en blanc. Alors, blanc, si je le mets en noir. Ah, noir, c'est pas moche. Hein. Alors, j'aimerais bien que ça sorte quand même par rapport... Alors, on va pas le mettre en noir, mais on va mettre en noir plus foncé. Comme ça, ça va pas choquer. Ah, je sais pas. Là, j'avoue, les couleurs, je suis... Alors, c'est pareil, on n'a pas le quadrillage du zipper. On n'a pas la texture dessus. Donc, je vais regarder si... Je supprime. Je regarde si je peux mettre quelque chose qui peut lui faire un quadrillage. Peut-être dans Fabrique. Fabrique et Fabrique Soft. Je vais essayer ça dessus. Je vais mettre... Ah, je vois pas du tout. Plus de scale. Ouais. Là, on a du... Alors, je mets la normal map en route. J'enlève la couleur ou pas? Alors, il me faudrait quelque chose avec... des lignes. Quelque chose avec des lignes. Alors, ça... Pourquoi pas? Ah, mais ça, c'est multicolore. Pas top. Tiens, ça. Fabrique, on va essayer ça. Le but, c'est de donner l'illusion que c'est un zipper. Ah, par contre, je vois pas du tout. Là, ça peut donner l'illusion que c'est ça. C'est pas beau. Non, et je dois avoir quelque chose. Donc, je regarde si j'ai pas autre chose. Un truc avec des lignes quadrillées. Banane. Dommage. Non. Ça. Ça, ça va. Ah, non, mais. Ah, si, si je vire la couleur, ça peut le faire. À voir. Un truc qui fait des lignes. Un truc rayé, quoi, tout simplement. Léopard, non, c'est pas beau. Je suis en train de chercher ce que je peux mettre. Ça, un truc métallique. Ah, oui. Ah, oui. On vire la couleur et ça devrait le faire. Alors, celui-ci, là. Dessus. Regarde ce que ça donne. J'augmente le scale. Ouais, c'est ça, c'est ça, si c'est ça. 71, je défais le verrou. Ici, je vais mettre à 1. D'accord, alors. Je suis dans le bon sens ou pas? Bonne question. Non, je dirais que c'est là. Alors lui, je dirais que lui, il faut le mettre à 1. Lui, je vais le laisser à 10, par exemple. Et là, je vais faire une rotation à 90 degrés. 10 degrés, j'augmente le scale de celui-ci. Ouais. Ça nous donne l'illusion qu'il y a des dents, vous savez, les machins en plastique du zip. 128, c'est beaucoup. Alors, quand... Non, 128, c'est pas mal. Et en 1, j'enlève le 1. Je vais mettre à... Je mets à 1, je touche pas. D'accord, je vire la normal map. Non, j'ai la normal, je vire la rougeness. Je vire le métal et je vire la couleur. Et voilà. J'ai l'illusion d'un zip. C'est pas moche, hein? Si, c'est bon, c'est ça. Ok, maintenant, cette partie-là, je suis dessus. Je vais ajouter un add fill layer. Ça va mettre une peinture qui va recouvrir tout. Et dans cette peinture-là, je vais mettre la couleur en noir, comme ça. Alors, telle est la question. Est-ce que c'est un noir? Ça fait discret. Ou est-ce que je mets une couleur métallique? Ah, je pourrais mettre une couleur métallique. Je vais mettre une couleur métallique, donc je vais faire autrement. Fill layer, du coup je vais virer fill layer, et je vais ici chercher, je vais chercher métal. Tout en haut on a quelque chose normalement. Aluminium, tout simplement, je glisse dessus, et voilà, on va avoir des restes. En plus, il va y avoir des reflets sur le zip. Ça donne l'illusion que c'est un zip en fait. Très bien. Si je mets la normal map d'aluminium, il n'y en a pas. Bah, c'est bon. Aluminium pur. Je peux même le colorer un petit peu plus gris. Non, blanc. Blanc, il est très bien. Blanc, ça va avec. Très bien. Qu'est-ce que je peux mettre dessus? Ce que je peux rajouter? La rougeness map, qui soit un petit peu moins brillant, parce que c'est censé être du plastique, donc je vais mettre à 0.5. 0.5, ouais. Par contre, c'est peut-être un petit peu trop blanc, du coup. On va baisser la luminosité. Ouais, ça a l'air d'être mieux. Alors, je vais mettre à 0.500. Voilà.
Ouais, là, ça donne l'illusion que c'est du zip. Ok, très bien. Donc maintenant, la petite pièce qui est là, hein. Ah, je vais pas m'embêter, je vais mettre iron. Ou pas. Ah non, là, je peux mettre du plastique directement. Plastique. Alors, plastique mat, parce que c'est pas censé briller. Je glisse dessus. Voilà. La couleur, on va le mettre en blanc. Alors, pareil que ça, donc là, on était à 500. Ça peut-être pas donner le même résultat. Quoi que si, on était à 0,500. Voilà, et ici, même chose. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il m'a remis la couleur, ça c'est de ma faute. Après, je peux le mettre en noir, hein, le zip. Hein. Ça va faire tâche aussi, je suis en train de regarder. Ça va pas faire bizarre d'avoir un truc qu'on tient à la main qui est noir. Ah, quoi que non, c'est pas moche. Hein. Non, je vais laisser en noir. Ok, donc je vais faire pareil pour le petit machin, hein, petit bitonio. Je glisse dessus. Et du coup, on va le mettre en noir. Voilà. Et ça donne ça. Ça ressort. C'est très bien. Je vais dans File. Je vais faire sauvegarder en tant que. Donc, Save As. Le projet, c'est JMD3.5. Voilà. Donc, comme ça, si je fais une connerie, je pourrais relancer. Ou même, si je veux changer la couleur générale du vêtement, j'ai juste à relancer mon projet. Et je suis dedans. Et maintenant, chose importante, on va ici. On prend Veste. Le bureau ici, et on n'oublie pas de mettre le logo d'ITV. Et alors, add a layer, je vais renommer ça, donc double clic, logo, on va aller dans alpha, on tape ni. Alors, lequel je mets, le hibou ou le lion? Oh, je vais mettre le lion quand même, c'est la marque de fabrique. Voilà, là, je me mets à peu près correctement. Voilà, ça c'est pas mal comme hauteur. Ok, donc là ensuite je choisis en matériel mode, c'est du artificial liver, je n'oublie pas de mettre la normal map, je suis entièrement noir normalement, je mets entièrement noir, et là je dois être pas mal, je clique, et voilà, et j'ai du relief en plus, c'est beau. Très bien, ensuite je refais add layer, là je vais faire... texte, je vais ici dans substance et là je vais mettre NITV. NITV, voilà, je regarde, c'est un peu trop petit, plus gros, c'est pas mal. Je zoome, je tourne pour être bien, oh, pas trop comme ça, on est bien. Ah, CTRL Z, non, je suis trop près de la barbichette là, plus bas. Alors, même plus... Oh, comme ça, c'est pas mal. Voilà. Un petit coup de file. Save. Et je pense qu'on est pas mal. Après, on peut rajouter des petits détails comme des coutures. On peut les faire à la main. Alors, les coutures, c'est un peu plus différent. Là, il faut aller dans texture list. On va choisir... c'est les bordures. On va essayer sur les bordures du short, ici. Donc, on sélectionne dessus. On fait add a layer. On renomme ça en couture. Voilà. Et alors là, pour travailler dessus, c'est plus chiant. Il faut qu'on aille dans Tool. Il faut qu'on aille dans Metal Stitch, normalement. Alors, on peut aller dans Metal Stitch ou alors on peut aller dans Brush. On va faire autrement, on va aller dans Brush. Ici, voilà, on va sélectionner Basic Hard. À moins qu'il y en ait d'autres qui soient déjà prêtes. Tiens, voilà. Road Strip. Ben, c'est parfait. Stitch, bah non, Stitch, Stitch c'est les coutures, parfait, Stitch, impeccable. La couleur, on va le mettre en blanc. Voilà, on fait un premier test. Donc on zoome, donc là on travaille sur les bordures. D'accord, donc là, ce qui va pas, j'ai pas besoin de la normale, j'ai pas besoin de la heatmap. Ok, CTRL Z. J'ai besoin que ça soit plus écarté, donc c'est où? Écartement, c'est où? C'est tout en haut. Spacing 62, on écarte. Ça, c'est pas mal. Spacing un peu plus encore. C'est pas mal. Ok, CTRL Z, CTRL Z. Ensuite, la taille, moins gros. C'est... Ah!
C'est 0,74, c'est pas mal, mais un petit peu plus gros peut-être. Oh, si je mets en 1. Ah voilà. Ça donne quoi? Très bien, impeccable. Alors maintenant, je vais juste sauvegarder, file, save. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais travailler sur le... Merde. Sur le... l'UV directement. Pour... Parce que là, en fait, si je fais ça, je vous montre tout de suite. Hein, si je veux suivre la ligne, ça va pas être parfaitement droit. Donc je fais CTRL Z. Et là, je vais ici, je fais 2D only. Et voilà, là j'ai. Voilà. Alors n'oubliez pas, alors, j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais je l'ai tourné à la verticale. Donc ça, ça doit être l'avant, ça, ça doit être l'arrière. Oui, là c'est courbé, donc c'est l'arrière. Donc on va s'occuper de ces parties-là. Voilà. J'arrive plus à bouger. Voilà. Donc je vais déjà me mettre. Je zoome, ça c'est le haut. Alors, je vais mettre une couture ici. Je clique une. Alors, je vais dézoomer là. Je fais une connerie. Voilà, je vais faire ça. Une couture ici. Alors je clique une fois, j'appuie sur Shift, je reclique. Alors, je vais même, vous savez quoi, je vais même dézoomer pour avoir les deux parties du premier coup. Voilà, là j'ai les deux parties, donc CTRL Z. Donc je clique en haut, si j'y arrive. Un petit peu plus par là, voilà, je clique, j'appuie sur Shift, j'essaie de faire une ligne bien droite, et là je reclique. Je retourne dans la fenêtre en 3D seulement. Très bien, là on a un espace, par contre je ne sais pas pourquoi. Donc je vais faire CTRL Z. Je vais retourner dans 2D seulement. Alors pourquoi j'ai un espace? Alors vous savez quoi, je vais cliquer un peu dans le vide ici. J'appuie sur Shift, voilà. Je vais dépasser l'UV, je ne vais pas m'emmerder. Voilà, alors là par contre, pourquoi il ne m'a pas fait ça? Alors CTRL Z. Alors je me mets pile sur la bordure ici, je clique, j'appuie sur Shift et je m'arrête pile sur la bordure, CTRL Z, ok. Et là par contre, ah, il aime pas faire ça comme ça. Donc là, je reclique ici et j'essaie d'aller droit. Non, CTRL Z, je reprends ici, j'essaie d'aller droit ici. Avec Shift, hein, appuyez toujours Shift maintenu. Ça a l'air d'être un peu mieux. 3D seulement, ça donne quoi? Ça donne que c'est bien. Ok, c'est reparti. 2D seulement. Donc là, je vais faire l'autre côté. Donc là, on va pas s'embêter. Je vais mettre ici. Shift. Ici. Shift. Ouais, c'est très bien. Je vais même rajouter un point à la main ici. Si j'y arrive. Il veut pas. Ici. En descendant vers le bas. Voilà. Ah, il est un peu travers celui-là. Ah, il est un petit peu travers. CTRL Z. Je vais pas le mettre. je m'aligne. Je suis bien là. Je clique, j'appuie sur Shift et je reclique. Donc là, il m'a encore fait un trou. Donc je clique sur le point qui est là directement. J'appuie sur Shift et je vais jusque là. Ça a l'air d'être bien. On regarde, 3D seulement. C'est bien, impeccable les coutures. On fait la face arrière. Hop, 2D seulement. Donc la face arrière, elle est ici, c'est celle-ci, là, juste là. Allez, on a vu que ça pas. Bah tiens, je vais me servir de ça comme de guide. Donc là, je clique ici. Hop, j'appuie sur Shift et je clique au bout. Parfait. Donc je clique ici. J'appuie sur Shift. J'essaie de faire une ligne bien droite. Je clique au bout. Hop. Là, l'autre partie de la face arrière. Donc là, ça a débordé un peu dessus, donc c'est parfait. Je clique dessus. Je sais pas si je l'ai en entière. Ah si, c'est bon. Je clique dessus. J'appuie sur Shift, je vais en ligne droite. Et voilà. Donc là, je suis là, je suis aligné, je clique dessus, je vais en ligne droite avec Shift. Enfin, j'appuie sur Shift et je clique. Ok. On repasse en 3D seulement, on regarde. Donc là, il y a un petit chevauchement, mais c'est pas méchant. Là, si ça rejoint. Parfait. Parfait, on a fait les coutures. Ça vaut le coup de mettre un point là ou pas au hasard? Peut-être à la main. Voilà. Peut-être un là aussi à la main. Voilà, c'est tout. Voilà. Je sauvegarde tout de suite avant de faire une bêtise. Ok. Alors les coutures, vous pouvez les faire aussi dans Marvelous Designer. Je vais vous montrer tout de suite. Dans Marvelous Designer, vous pouvez faire les coutures tout simplement en sélectionnant ici segment. Et là, à tous les endroits où vous voulez faire des coutures, vous en faites. Ça va faire des coutures. Ça fonctionne très bien. Le seul truc que vous devez savoir, c'est que si vous faites les coutures dans Marvelous Designer,
ça va rajouter des mèches en 3D pour les coutures. C'est-à-dire que chaque petit point de couture que vous aurez sur votre vêtement, fait avec Marvelous Designer, ça sera un objet 3D en plus collé sur la mèche de votre vêtement. Donc si vous faites beaucoup de couture, des petites en plus, partout, ça va ralentir votre PC à mort. Parce que vous aurez de la 3D. C'est comme le zip. Hein. Ça m'a rajouté de la 3D ici, ça m'a rajouté un élément 3D ici. C'est pas de la texture, c'est de la 3D, on est bien d'accord. Donc si je fais une couture, si j'ai, si par exemple, la ceinture là, je fais une couture comme ça, une couture comme j'ai fait dans Substance Painter, le temps de faire le tour de ce point-là, de faire le tour et de revenir, il m'aura certainement rajouté 70 petites mèches en 3D sur le vêtement, qu'il exportera en même temps que l'exportation. Donc faut penser à ça, attention. Il faut penser à ça, vous pouvez le faire, mais n'oubliez pas que ça va vous bouffer des ressources une fois dans Character Creator 4 ou iClone 8. Ça va vous manger toute la puissance du PC pour pouvoir tout faire bouger, quoi. Donc c'est pour ça que moi je préfère faire les coutures comme dans Substance Painter. C'est chiant, mais bon, une fois que c'est fait, c'est fait. On retourne en 2D, on lit. Alors là, vous savez quoi, je vais tricher, je vais faire couture 1. Voilà, comme ça, si jamais je rate, j'ai pas besoin de tout effacer. Là, je refais un layer. Là, les options ne changent pas, c'est exactement les mêmes. Donc c'est parti, 2D seulement. Alors, faut faire les bordures maintenant, ça va être plus chiant par contre, les bordures. Alors déjà, le devant, là. Alors, le devant, on va y aller d'un coup. Je clique ici, j'appuie sur Shift, je fais le carré, j'appuie sur Shift, je laisse appuyer sur Shift. Je reviens ici, et je reviens au même endroit. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, normalement, je dois pouvoir bouger. Voilà. C'est mieux la verticale. Voilà. C'est quand même mieux. Alors, les bordures d'ici maintenant. Donc là. Hop, j'oriente directement ma couture dans le bon sens. Alors, je dézoome parce qu'il faut que je puisse tout voir. Ah, ça va bien. Voilà. Je clique et ainsi sur la bordure. Hop. Je fais une ligne droite. Oula, CTRL Z, alors qu'est-ce qui va pas? Je vais laisser ça droit. Voilà, donc je clique ici, j'appuie sur Shift. Oula, non. Je veux que tu ailles dans ce sens-là, moi. CTRL Z. Alors pourquoi il va comme ça? Shift. Là, il se met pas bien, ça me plaît pas. Flow, angle. Retourne à 0 en angle. Ah, CTRL Z. Donc là, je vais passer en 3D pour cette partie-là parce que ça m'a l'air de faire. Il m'a l'air de vouloir faire des bêtises. Ça va être un petit peu plus. Ce sera pas forcément très propre. Je commence de là. Ah, ils mettent pas les coutures dans le bon sens par contre. Ça, c'est ennuyeux. Comment je peux faire? CTRL Z. Moi, je veux que tu suives. Alors, suivre le chemin, non. Ah bah voilà, c'est ça. CTRL Z. Donc, ne pas suivre le chemin. Donc là, je vais pouvoir retourner en 2D. Donc là, voilà. Normalement, il n'y a plus suivre le chemin. Je zoome. Donc là, je pivote. Alors, pour pivoter, vous appuyez sur CTRL et vous cliquez avec votre souris du haut vers le bas. Du gauche vers la droite, c'est l'opacité. Et du haut vers le bas, c'est l'inclinaison. Enfin, la rotation, pardon. Voilà, là, je pense que je suis bien. Peut-être un petit peu plus comme ça. Donc là, j'ai désactivé l'option suivre le chemin, ici, sur le path. Donc normalement, je pense que je serais bien. Donc je prends tout, donc je clique ici, à peu près ça, ouais. Un peu plus de bordure. Shift, je vais tout droit, et Shift. Oh, le salaud! Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi t'es pas droit? Bon bah, il va falloir le faire en 3D. On va prendre de l'angle ici. Hein. Ça c'est ennuyeux par contre. Je clique là. Là, en 3D, il me fait bien. Et en 3D, il suit vraiment comme il faut. Vous savez quoi? Je vais faire les deux en même temps, comme ça je vais pas m'embêter. Alors, la question c'est, est-ce qu'il y a besoin de faire une bordure, de deux bordures là-dessus? Le mieux, c'est de regarder un vêtement qui existe. Alors, est-ce qu'il y a des bordures à cet endroit ou pas?
J'ai pas de short, mais j'ai un pantalon, ça, c'est à peu près la même chose. Ah bah non. Non, y a pas besoin. Non, non. CTRL Z. Non, non. Là, c'est la bordure extérieure qui compte. Parce que normalement, c'est un ourlet qui est replié et qui est cousu sur lui-même. Donc c'est celle-ci qui compte. Donc pour les manches, ça sera la même. Voilà, c'est cette bordure-là qui compte. Ok. Alors, par contre, là, je ne peux pas utiliser le système de symétrie de Substance Painter, tout simplement parce qu'on a travaillé, on a fait l'objet, on a fait le mesh du vêtement dans Marvelous Designer, et on n'a pas fait... Marvelous Designer ne fait pas en symétrie. Enfin, là, comme on l'a fait, on n'a pas fait en symétrie, donc ça ne marchera pas. Enfin, ça pourrait marcher, mais ça risque d'être décalé à certains endroits, en réalité. Donc il faut, donc on oublie cette option là. C'est pas grave. Hein, ça... Voilà. Donc là, je reprends l'autre face. Je finis. Ici, je vais aller ici. Je suis un petit peu décalé. Contre Z. Oriente-toi mieux. Plusieurs de barres. Voilà. L'écartement, j'ai pas besoin de m'en inquiéter puisque c'est déjà réglé. Là, je commence à être un peu pas bien. En plus, par là, je vais reprendre ici. Là, je reclique sur le point directement pour pas me perdre. Voilà. Je laisse appuyer sur Shift pour faire une ligne bien droite. Je ne touche pas ici. Je vais partir de là. Ouais, ça sera mieux. Je prends ici. Ici, et je rejoins là. Voilà, très bien. Maintenant, on fait l'autre côté. Alors, j'ai laissé ça d'espace, donc je vais faire la même chose. Donc, je sauvegarde pour éviter qu'il y ait des soucis. Là, je vais renommer mon layer en couture 2. Ah, vous vouliez un tuto avec un vêtement... bien détaillé, vous l'avez. Alors, désolé s'il est long, mais voilà quoi. Vous avez demandé, vous avez. Je clique. Jusqu'à là. Vous en vouliez ? Eh ben, allez-y, profitez-en. Je vais cliquer directement dessus. Je vais le mettre un là. Ici. Là, faut que je fasse pivoter un peu plus. Donc, je reprends le même point. Je peux aller directement jusqu'à là, sans problème. Voilà, très bien. Ah, les détails. C'est ce qui fait tout, en fait. Hein. Mais c'est chiant à faire. Voilà. On attaque la face arrière. Les détails, c'est top, mais c'est chiant. Ah! Raté, contre Z, je suis pas assez courbé. Voilà. Plus par là. Et là, oups, mauvais bouton. J'ai appuyé sur le bouton Windows. Ah, je suis peut-être. J'ai peut-être pas assez d'espace par rapport à l'autre. J'ai peut-être trop collé vers l'extérieur. Ah merde, ah oui, désolé. Alors, CTRL Z, j'ai dit. Ah non, merde, désolé, j'ai appuyé sur CTRL A, c'est pour ça que ça marchait pas. C'est de leur faute, ils avaient qu'à pas mettre les boutons aussi près les uns des autres. Donc, plus écarté. Voilà, c'est mieux. On tourne. Voilà, c'est mieux. Voilà. Oh, il y aura quelques défauts, mais c'est pas bien méchant. Plus comme ça. Je peux aller jusque là au moins facile, et jusque là facile. Ouais. Du coup, je suis un petit peu trop écarté par... Oh, ouais, c'est bon, on va pas chipoter. Sinon, on n'aura jamais terminé. Merde. Mauvais. Voilà, on est bien. Shift. Voilà. Et là, je vais partir de là jusqu'à là-bas directement. Donc, je m'oriente pareil. Voilà, je clique directement là, je m'embête pas. Et je m'arrête ici. Je m'arrête sur le même point. Voilà.
nos shorts, les coutures. Ah, on a oublié les poches. Ah oui. Ah, d'ailleurs. Couture. Couture avec un R. Couture 3. Hop, un petit coup de feuille. Save. Alors là, n'oublie pas, c'est ouvert. Hein, donc, juste une comme ça, la verticale. Donc, un point ici. Shift. Un point là. Ah. Ah non, le con. CTRL-Z. J'ai annulé ce que je viens de faire. Je me suis rendu compte de mon erreur. Donc, couture 3, j'en ai pas besoin. Je vais le supprimer. Je vais ici. N'oubliez pas, les poches, c'est à part. Voilà, poche. Ah oui, voilà. Donc, add a layer. Normalement, on n'a pas bougé. Les réglages n'ont pas bougé. C'est exactement les mêmes. Voilà. Je savais bien que j'avais oublié. Ah merde, CTRL-Z. Ça, c'est de ma faute. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Est-ce que je suis droit au niveau de la couture? Bon, ça a l'air bien. Donc je vais commencer ici. Et je vais aller jusque là. Ensuite, je vais aller ici. Je vais aller jusque là. Là par contre ça va être chiant. Ouais c'est chiant, je suis obligé de tourner à chaque fois par contre. Je vais mettre un point là. Un autre point là avec Shift. Ça c'est chiant par contre. Est-ce que je peux faire autrement? Je vais essayer de remettre suivre le chemin. Donc je clique là, j'appuie sur Shift jusqu'ici. Ah non, enfoiré. Non, voilà, je défais suivre le chemin. Je suis obligé de le faire à la main. Un point là. Ah, là par contre, je suis obligé de faire point par point pour l'arrondi. Ça c'est ennuyeux. Voilà, et là je peux reprendre en ligne droite. Donc d'ici jusqu'à là au moins. Ouais, voilà, très bien. On fait pareil pour le poche. Alors je dois faire les points en ligne droite. Ici, Shift, ici. Ici, Shift, ici. Ouais, c'est ça. Et maintenant je finis à la main. Là c'est plus chiant par contre. Je peux mettre un point là, je peux faire Shift jusqu'à là. Facilement. Et après par contre c'est un par un. Et voilà. Je sauvegarde tout de suite pour éviter de faire des bêtises. Le layer 2, je lui redonne son nom de couture, comme ça je sais quoi et quoi. Coutre, ils m'ont eu. Couture. Mais non. Couture. Voilà. Et ben non. Je vais faire un file. Je vais faire un save. Du coup, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque les coutures des manches. Alors pareil, les manches, je vais faire comme le bout là. C'est-à-dire juste le bout ici. C'est tout. Et ça par contre, là, comme j'ai déjà le zipper, je vais faire juste là, le contour comme ça. Mais ça va aller plus vite parce que là, on va travailler sur les UV directement. Donc, je choisis ici dans cette texture list. Il est où? Alors, comment ils ont appelé ça? Manche-bout. C'est celui-là. On va déjà faire les manches. Hop, add layer. Donc, j'ai rien changé au réglage, donc tout est bon. Couture. Couture 1. Alors, il n'y aura que ça. Je vais tout de suite ici dans 2D only. Je vois pas, il est où? Ah, il est là, d'accord. Ah, bah là, c'est bon alors. Là, normalement, attendez. L'extérieur, il est où? Normalement, l'extérieur doit être là. Ok, donc ça doit être ça, l'extérieur. Ok, ok. Je suppose que c'est ça, donc je m'aligne. Je clique là, je laisse ça d'espace. Je clique là, je appuie sur Shift et je reclique. Alors, je vais pas contrôler tout de suite, je vais faire tout pareil. Donc là, l'extérieur, c'est en symétrie, donc il doit être là, logiquement. Ouais, c'est ça. Là, je reclique. Je vais au bout, ici. Voilà. Là, je vais faire la même chose pour le dernier. Alors, vous voyez, il y a un petit bout qui dépasse, donc oui, normalement, ça doit être ça. Et je vais tout droit. Ok, je reviens en 3D seulement. C'est bon. Les coutures sont bien là où je voulais. Impeccable.
C'est bon? Ah merde. Ah! Caméra! C'est bon. Là, ils ont... Ah, je vois plus, j'ai perdu mon... Voilà. Ça regarde. Et maintenant, on fait les dernières coutures ici. C'est parti. Alors ça, par contre, ça s'appelle Cole. Ouais, c'est ça. C'est Cole. C'est lui. Donc là, on peut aller directement en 2D seulement. Il est où? Il est là. Donc là, j'ai dit sur l'extérieur. Ouais. Donc, c'est-à-dire sur cette face-là. Ok, bon, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je peux plus bouger? Ah, je suis en cycle générique, pardon. Add layer. Voilà. Ah, ça m'a fait peur. Tout de suite, je vais l'appeler couture. Couture 1. Je retourne vite fait en 3D parce que j'espère que j'ai pas fait une bêtise, que rien n'a été effacé. Non, c'est bon, j'ai mes coutures partout. Non, c'est bon. Alors, je pense pas qu'il faille mettre une couture là, ça va faire trop. Ça va faire trop, tout comme mettre une couture là aussi, ça va faire trop. Ok, donc c'est parti. Je retourne en 2D seulement. Voilà. Et là, c'est parti. Alors, je m'oriente. Là, c'est à moi de m'orienter puisque j'ai désactivé l'option suivre le chemin. Parce que sinon, ça fait tout foirer. Donc, je fais un coup ici. Shift. Un coup là. Oula, par contre, pourquoi tu me mets ça en travers, toi? Ctrl Z. Je vais m'éloigner. Je vais mettre un peu plus de largeur. Shift. Ouais. Bon, il veut à tout prix mettre ça comme ça. Bon, bah, écoute, hein. Ah, c'est dommage, ça me plaît pas. J'ai pas envie. Je vais avoir un truc beau, bien droit, il veut pas. Un coup là. Ah oui, non, c'est un problème. Ça doit être un... Il y a peut-être pas assez de topologie sur cet objet. Bon, bah, c'est pas grave. Dans tous les cas, je fais quand même ma ligne. Ici, je m'oriente comme il faut ici. Donc, je vais reprendre de là et je vais aller jusqu'à ici. Un dernier petit point là. Non, trop Z, ok. Bon, alors, on va tout droit. À la verticale. Vas-y, dézoom. Il m'a bougé. Ah non, c'est bon. Donc, un point à peu près ici. Jusqu'au bout. Ah, pourquoi ça disparaît ma souris? Ah, il est vachement loin. Ah oui, d'accord, j'étais pas dessus. Bon, on va dire que c'est ouvre. Par contre, je vois pas du tout. C'est dur de zoomer, on va dire d'ici jusqu'à là. Voilà, c'est bon, j'ai eu. Il y aura un petit défaut ici. Hein. Ah merde, c'est pas beau. Ctrl Z. Ok, donc ça doit être ici. Là, c'est pas évident quand on a des grands morceaux comme ça, que c'est tout petit comme ça. J'essaie de faire d'ici. Donc on va dire que c'est ici. J'appuie sur Shift et je clique. Ouais, c'est bon, je crois que j'ai eu. Je vais faire tout de suite l'autre. Donc... Ici, j'appuie sur Shift et je sors. Voilà, comme ça, on a déjà l'autre. C'est bon. Ensuite, je réoriente. Donc, ici, là. Ah, il me fait la même chose que là. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est pas trop grave. De toute façon, je peux pas faire autrement. Dommage. Dommage. J'aurais bien aimé que ça reste bien droit. Ici, ici. Ah ouais. Ah, salaud. Si j'y vais à la main. Non, à partir de là, ça foire. Ok. Donc ici et là. Bon, c'est pas grave. Le col arrière. Donc, je reprends d'ici et je vais là. J'oriente. Là, je vais d'ici et je vais là. Voilà. Même chose. Ici jusqu'à là. Je réoriente comme la ligne, et là c'est aussi loin que ça? Ouais, ici jusqu'à là. Ok, on retourne en 3D seulement. Donc c'est bon, j'ai mes coutures là. Mes coutures là, c'est à partir de là que ça commence un peu à foirer. Donc bon, là j'ai un petit défaut, mais là ça, j'y peux rien. Donc c'est pas rare, c'est pas moche. Hein. Ça va, bon là il y a un petit défaut, oh, c'est pas. Et ça se verra pas. Hein, on est d'accord? Ça se verra pas. File, save. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter? Parce que là, j'ai déjà pas mal de détails.
Un petit bouton là, pour faire comme pour les jeans. Ouais, ça je veux bien. Alors, c'est ici, ça s'appelle comment? Ça s'appelle short. Bordure short. Ouais, c'est ici. C'est celui-ci, bordure short. Donc, add layer. Là, je vais dans tool. Et on va lui mettre un nail, une sorte de rivet, tout simplement. Alors, en quelle couleur? Je mets la normal map. Et du fer ou pas? Bah, ouais, du fer. Ouais, du fer. Je zoome. Je clique dessus. Un petit peu de lumière pour voir ce que ça donne. Alors, CTRL-Z. En cuivre plutôt, couleur cuivre. Copper. Ben voilà. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut là. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup de mettre un truc ici, une pression? Vous savez là, pour faire comme une pression ici. Bonne question. Parce que les poches arrière des vêtements, des fois elles ont des pressions. Ouais, mais je vais le mettre quand même. Ok. Donc là, je vais le renommer en bouton. Et là, c'est les poches. Alors, poches, elles sont là, c'est celui-ci. Poche short. Voilà. Donc là, je vais mettre une. Ah oui, add a layer. Et je vais appeler ça pression. Voilà. Donc j'en mets un ici. Voilà. Et je mets l'autre ici. Et ben voilà. Comme ça, c'est maximum de détails. File, save. Ok, et maintenant je vais juste essayer quelque chose. C'est pas sûr que ça fonctionne parce que ça a été fait avec Marvius Designer. Je vais essayer de baker le truc dessus. On va voir comment ça fonctionne. Ça marchera peut-être pas, hein. On est bien d'accord, ça marchera peut-être pas, mais il vaut mieux tester. Donc je me mets sur Veste. Je vais ici dans Texture Setting. Je vais faire Bake Mesh Map. Alors c'est pas sûr que ça fonctionne. Donc c'est du 2K. Je choisis. En fait, je vais rechoisir mon vêtement. Tout simplement, je vais rechoisir mon vêtement. Qui vient de Marvelous Designer. Et je vais cliquer sur Bake All Texture Set. Ça va tout baker d'un coup sur tout. On va voir si ça fonctionne. Ça se trouve, ça va pas du tout marcher. Ça se trouve, ça va faire dégueulasse. Donc, vous savez quoi? Juste avant, je vais quand même sauvegarder. Ça marchera peut-être pas. Donc, j'ai sauvegardé. Si jamais ça marche pas, je relance le projet. Donc, je recommence. 2000. Ensuite, je dis ça. Et Bake All Texture Set. On va voir si ça rajoute ou pas des détails. Ou si ça détruit complètement la mèche. Avec Blender et avec ZBrush, ça marche très bien. Mais j'avoue que j'ai encore jamais essayé avec Marvelous, donc on va bien voir. Alors c'est un peu long parce qu'on a beaucoup d'éléments qui composent ça. Ça se trouve, ça va faire un truc vraiment horrible. Hein. Mais bon, je teste quand même. On sait jamais. Ça, si ça marche, ça va me rajouter une map ambient occlusion à mes textures, en fait. Qui va rajouter encore du détail aux vêtements. On va voir. J'espère que ça va rendre bien, sinon tant pis. Hein. Sinon je recharge juste le projet Substance Painter et puis après il n'y a plus qu'à exporter et aller tester ça directement dans Character Creator 4. Allez, j'espère qu'elle va pas être trop longue la vidéo non plus. 93. 95. Alors, ça donne quoi le résultat final? Déjà, est-ce qu'il y a une différence? C'est ça la question. Je fais OK. Alors, ça marche ou pas? OK. Déjà, est-ce qu'il y a une différence? Ouais, non, c'est dégueulasse. Vous voyez là? Non, ça, avec Marvelous, ça marche pas. Vous voyez là, ça me fait. Là, en fait, il est en train de me béquer la forme du. De ça là, la forme de la veste qui rentre à l'intérieur, on la voit à travers maintenant. Non, c'est dégueulasse. Ok, bon, c'est grave. File, open, ne pas garder. Donc j'avais raison de sauvegarder avant. Alors, allez, dépêche-toi. Oh, voilà. Alors, il s'appelle J. Non, c'est pas JMD, c'est LMD. Il est où?
Oula, attendez. Attends, annule. Ah non, pareil. Et merde, bon bah open. J'ai bien sauvegardé quand même. Peut-être. Ailleurs, dans le logo. Je trouve pas. Non, j'ai pas fait ça pour rien. Mais non. Non, non, je l'ai nommé autrement. J'ai dû me tromper. On est combien? On est le 10, 6? Bah c'est celui-là. Ah, j'ai mis un J au lieu de mettre un L. Waouh, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'avoue. Ah, j'ai eu peur. Ah, il m'a fait flipper. Waouh. Bon, bah c'est bon. Du coup, c'est fini maintenant. Je vais dans File, je vais re-sauvegarder Save As. Et cette fois-ci, c'est LMD. LMD 3.5. Ah ouais. Oh, il m'a fait flipper. Ah, des coups de pression, hein, franchement, pas sympa. Bon, bah c'est bon, on exporte ça. Et hop, File, Export Texture. Je le mets en 2K. Alors, je le mets en 2K, mais pas tout. Là, on va tricher. Bordure Short, du 2K. Le col, en 2K. Les fabriques, c'est-à-dire le zip, là, fabrique, manche, enfin, fabrique, je sais pas quoi. On n'a pas besoin d'avoir du 2K pour ça, donc on va le mettre en 512. Les manches bout, on va les mettre en 2K, parce qu'on a des coutures. Matériel, ça c'est le zip, pareil, du 512, il n'a pas besoin d'être plus élevé. Du matériel, du 512. Poche, en 2K. Après, bah, le short, en 2K, non, pas, 1000, pas du 1000, du 2K. Et la veste, en 2K. Et c'est bon, et exporté. Waouh, il était long celui-là, texturisé. Hein. Et d'un autre côté, il est joli. Donc bah là, il y a pas mal de textures exportées, donc on attend. Midi et demi. Ah ouais, je sais pas à quelle heure j'ai commencé la vidéo. Heureusement que je bosse pas aujourd'hui. Allez. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi, j'aimerais bien finir cette vidéo. Merci. Open folder. Donc, il n'y a pas besoin de sauvegarder parce que je viens de sauvegarder, donc je referme Substance Painter. Hop, je peux fermer maintenant mon projet Marvelous. Dans le doute, je refais juste Save Project. C'est LMD 3.5. Voilà, ça c'est bon. Je peux fermer mon projet. Je vais lancer Character Creator 4. Ça marche aussi pour le 3, hein. On est bien d'accord. Si vous n'avez pas le 4, c'est pas grave, hein. Le tuto marche aussi pour le 3. Bon, quand tu veux, tu charges. Allez. Ça y est, c'est chargé. Ok. Ouvrir. Lire. Elle est là. Ouvrir. Attention, femme nue. Je répète, femme nue. Ou pas. Non, bah oui, elle est nue, oui, c'est vrai. C'est bon. C'est bon. Allez, hop, c'est parti. Essayage de vêtements. On va dans contenu, on va dans animation, custom, position, on prend la même position que celle qu'on avait pour créer le vêtement. Voilà, mets-toi comme ça. Create accessory, LMD 3.5, c'est lui. Tada, magie. Et voilà. Modifier, attribut, tac, 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 pivot au centre, ici. On ajuste. Alors, là on est bon. Un petit peu plus en avant, je pense. Ensuite, les manches plus haut. Je pense qu'on est bien. Ah, plus en arrière. Ok, plus en arrière. Ça donne quoi? Si je vais un peu plus en arrière encore. Non, ça fait trop. Comme ça.
pense que là, on est bien mis. Niveau de la hauteur, plus haut. Non. Ouais, là, on est bien. On est à la hauteur maximale, je suppose. Ouais. Ok, bon, bah, c'est long. Donc, première chose à faire, on va le convertir tout de suite en vêtements. Donc, non, c'est modifier, attribut, c'est tout en haut. Hop, 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 transfert skin weight. Alors, c'est un vêtement qui prend le haut et qui prend le bas en même temps. Donc, on peut mettre juste en défaut. Et normalement, ça devrait fonctionner comme il faut. Voilà, close. On change de pose. Contenu. Bah non, j'ai pas besoin. Je vais dans Motion. Voilà, femelle. ID le 1. Voilà, comme ça, on a même une animation en même temps. Voilà, lecture. Et c'est maintenant, on cherche les défauts. Si on a bien positionné le vêtement, ça a l'air d'être bon. Je vois qu'il y a un. Là, on passe un peu à travers au niveau. Toujours, c'est toujours au même endroit. Donc là, on va mettre du High Body Mesh Tool. Ouais, au niveau des épaules aussi. Ok, alors, vite fait. Stop. Je vais dans Modifier. Je vais dans ça. Je vais tout sélectionner. Je vais lui mettre une couleur autre que du blanc. On va lui mettre, tiens, du bleu. Voilà. Vas-y, continue de bouger. D'accord. Donc là, en fait, ça me sert juste à savoir où est-ce que le corps passe à travers. Je vois mieux comme ça. Donc, je vais dans Modifier Attributs. On descend High Body Mesh Tool. On active la symétrie. On va dans Mode Advanced. Alors, du coup, là, il faut... Là, c'est les épaules, par contre. Ah, là, c'est un peu ennuyeux. Donc, le haut du bras. Ici. Le dessous de bras. OK. Et maintenant, il va falloir faire à la main pour les épaules. Donc là, on va dans Brush. Normalement, on est en symétrie. Ouais, c'est ça. Le radius un petit peu plus grand. J'appuie sur Q de mon clavier. Je touche Q et je colorise à la main. Ah, par contre, il ne marche pas en symétrie avec la brosse. Donc, il faut le faire à la main. De l'autre côté aussi. Voilà. Alors, pourquoi je cache pas... attendez, ici aussi. Pourquoi je cache pas directement toute la partie haute du corps? Tout simplement parce que le zip est ouvert. Bah oui. Sinon, ça va faire des trous dans le corps au niveau du buste. Et c'est pas ce qu'on cherche. Je sais quoi, je vais me colorer là, comme ça au moins je serai sûr de ne pas avoir de soucis. Je colore là aussi. Hop, hop, hop. Je vais me faire la deux devant, comme ça, ça va être fait. Voilà, il ne va pas nous embêter. Je referme High Body Mesh Tool. Voilà, on lance la simulation. Je regarde. Bon, ça a l'air d'être bon. Ouais. C'est bon. Bah ouais. Sous les bras, ça a déjà été fait. Ok, il ne manquera plus que des chaussures. À cette tenue, donc motion female walk, ayo, voilà. Là, elle va bouger les bras en même temps, et en même temps, on va voir le short, s'il y a des défauts au niveau du short. Hein. Donc, c'est bon, il n'y a pas de peau qui passe à travers. Le short, hein, il se déforme correctement, impeccable. Bon, bah, allez hop, on lui applique les textures, c'est parti. On va dans modifier, hop, on resélectionne tout. Donc, j'ai déjà tout sélectionné, donc c'est bon. Diffuse color, je me mets entièrement en blanc. Et c'est parti. Alors, là, ça va être chiant parce qu'il y en a beaucoup. Projet, lui, je peux le fermer. Alors, on va faire ça dans l'ordre ou pas? Ouais, alors, on commence par bordure short. Il est où? Bordure short, c'est lui. Je clique dessus. Donc, bordure short, Rougness. Merde, je vois pas. Faut que je descende un peu. Ah oui, j'ai oublié. On sélectionne tout, Shift, et on met tout en PBR. Oui, désolé. Ça, j'avoue, j'ai oublié. Ouais, parce que c'est du traditionnel, donc on met tout en PBR. Parce qu'on a fait les textures en PBR, donc on est obligé de... Même, c'est plus joli. Donc là, il convertit tout. Allez, allez. Allez, mon gars, tu peux y arriver. Courage. Allez, allez, allez. Pêche-toi un peu. Voilà. Vous savez quoi, je vais tout de suite sauvegarder. File, save en tant que projet. Et c'est LMD 3.5. Voilà. Comme ça, si jamais Caractère Creator 3 plante, j'aurai juste à recharger ce projet-là avec le vêtement qui est déjà transformé en vêtement. Donc on a dit qu'on commençait par
bordure short. Elle est là. Donc, attends, il est chiant. Voilà. Bordure short, rogueness. Bordure short métallique. Bordure short base color. Et normal OpenGL dans bump. C'est de la normal map. Ok. Ensuite, la prochaine texture, j'ai du col. Col. Col front. Il est là. Alors, je cherche le rogueness en premier. Alors, col rogueness. Col métallique. Col base color. Et col normal OpenGL. C'est lui. C'est la normal map. Ok. Je vais dans l'ordre de mon dossier en fait. Hein. Ensuite, donc col c'est bon. Ensuite, j'ai fabrique front. C'est quoi fabrique front? Ça doit être quelque part. Ça doit être lui, c'est lui. Fabrique front. Ah, ça, c'est un zip. Ouais. Donc, fabrique front. Il y a tout ça comme une texture. Fabrique front rudeness. Fabrique front métallique. Fabrique front color. Et fabrique front normal OpenGL. Ah oui, c'est le zip. Ok, très bien. Ensuite, si je continue dans mon dossier, j'ai manche bout. D'accord, donc manche bout, il est où? Il est là. Je clique dessus, donc manche bout, c'est le suivant. Manche bout rogueness. Manche bout métallique. Manche bout base color. Et manche bout normal OpenGL dans bump map. C'est de la normal map. C'est bon, là, nos manches. Ensuite, si je continue dans le dossier. Manche. Ah, matériel, là j'ai matériel, c'est lequel celui-là? Matériel, alors, ah par contre c'est des chiffres à la con ça qui m'a mis. Deux, ça commence par 206. Ah, il commence tous les deux par 206, salaud. Ça finit par 264, c'est lui. 264. Donc, rogueness, métallique, base color, et normal OpenGL. Alors ça c'est, ah oui d'accord. Bon, il n'y avait pas de normal, je crois pas pour celle-ci, mais jamais quand même. Ça c'est, oui, c'est le zip. Enfin, le truc qui tient. Donc, matériel 265, il est juste à côté. Ouais, 265, il est là. Donc, rogueness, métallique, base color et la normale OpenGL. Voilà, ok. Ensuite, dans l'ordre du dossier, je suis dans poche, directement dans poche. Alors, poche rogueness, je vois pas. Poche rogueness. Donc, poche short, il est là. Poche short rogueness. C'est là. Métallique. Base color. Voilà. Et normal OpenGL dans bump map. C'est bon. Toujours dans l'ordre du dossier. Après poche, on a le short. C'est bien, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Poche, alors short, ah non, 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 tout est là, short rogueness, donc short, il est là, short rogueness ici, short métallique, short base color et short normal OpenGL dans bump, c'est la normal map, très bien, et le dernier c'est la veste, ouais, alors veste, elle est là, veste, donc veste rogueness, veste métallique, veste base color et veste normal OpenGL. C'est la normal map. Waouh! Et voilà. Et là, par contre, alors, le noir est un petit peu trop noir. Donc, les choses qui sont noires dedans, un petit peu trop noir. Alors, les coutures, on les voit un peu moins parce qu'on est passé en 2K et quand on a travaillé, on était en 4K. Donc, vous pouvez l'exporter en 4K et mettre des textures 4K, mais là, ça suffira pour celui-là. Donc, manche, bout. Plus col, plus bordure, plus poche. Ah non, je suis obligé de les faire un par un. Merde, bon alors, manche bout. Base color, je clique dessus. Je vais ici dans Adjust Color et je vais mettre une brightness. Je vais rajouter 10. Ça va s'éclaircir à 10. Ça donne quoi? Là, on est sur les manches. C'est mieux ou je passe à 15? Si je passe à 15 en brightness. C'est un peu mieux, 15. Ouais, 15, c'est plus. On va passer à 15. Ok. Alors ensuite, col. Base color. Attribut. Brightness à 15. Je suis en train d'éclaircir, en fait. Voilà, ouais, c'est mieux. On voit mieux les coutures.
Bordure short, base color, adjust et brightness à 15. C'est ah oui, ça se voit mieux, oui, je confirme. Short front, poche, après c'est poche, il n'y a que ça à faire après. Base color, adjust et brightness à 15. Voilà, et là ça donne. Ah bah voilà, on voit mieux. Impeccable. Lumière, très bien. En mouvement. Voilà. Bah c'est très bien. Et bah voilà. On a refait. Bah du coup, je vais pas finir le projet, moi, que j'avais commencé, que j'avais pas terminé. Bah je vais pas le finir, puis je vais le remplacer par celui-ci, puisque là, il est complet maintenant. Voilà. Rien. Non, c'est bon. C'est fini. C'est impeccable. Alors. Mettre la pause. Moi j'aimerais bien qu'il y ait du reflet sur cette partie là métallique. Donc pour qu'il y ait du reflet, il faut identifier la pièce. C'est fabrique, alors c'est pas lui, il doit être en noir. C'est matériel, voilà. C'est l'un des deux, c'est les deux. Donc pour qu'il y ait du reflet, c'est la Rogueness Map, il me semble. Je vais dessus, je vais faire adjust. Je vais faire plus de brightness. Non, moins de brightness. Ah non, ça change pas beaucoup. Bon, alors j'annule. Non. Oh, remarquez, non, c'est bon. On voit bien quand même ou pas? Ouais, on va pas chipoter. Ah non, bah non, base color. Voilà, adjust. Plus clair. Plus clair, peut-être avec l'UE, une autre couleur ou pas? On est à 0, non, 100 c'est trop. Je vais le mettre à 15 en brightness aussi. Voilà, comme ça, ça ressortit un peu plus. Et le petit bitonio là, base color. Et brightness à 15. Bon bah voilà, ça c'est fait. Bon, on reste plus qu'à lui faire des baskets qui vont avec, et puis ça sera complet. Ça sera complet. Joli quand même. Ah, après, non. Exceptionnellement, je vais prolonger la vidéo. AMD 3.5, c'est bon, je sais. Exceptionnellement, je vais prolonger la vidéo. Désolé, je sais, je suis chiant. Donc je sais que ça me fout les textures. Merde, désolé. Clic droit, nouveau dossier, LMD 3.5. Je sélectionne tout, je fais tout ça dedans. Je vais faire quelque chose. J'ai pas envie de refaire de nouvelles chaussures pour cette tenue là, donc je vais tricher. Et donc c'est à ça que ça sert aussi de. Donc je relance Substance Painter. C'est justement. Comme je viens juste d'avoir l'idée, je vais en profiter. C'est à ça que ça sert justement d'enregistrer vos projets textures dans Substance Painter pour ne pas avoir à rééditer les objets 3D. Donc je vais dans File, Open. Alors je vais chercher les chaussures à ma démon. Elles sont où? Sandales, c'est celle-ci. Voilà. Ça va être bien. Allez, j'ai ouvert ou pas? C'est bizarre, j'ai l'impression de ne pas avoir ouvert. Ah si, c'est bon. C'est parce qu'il y avait beaucoup à charger. Allez, vas-y. Ça y est, voilà. Et ben voilà ce qu'on va faire. On va pas s'embêter. On va faire ça. On va aller dans... alors, boucle... C'est les boucles qui sont là. Ok, c'est les trucs en métal, d'accord. On va aller dans lacet, languette, semelle ou pas? Semelle. Réfléchis. Déjà les languettes. Ouais. Non, pas languette, lacet. Voilà, c'est cette partie-là. Et pourquoi ça bug? Ok, donc là, ce que je vais faire, je vais cacher le logo. Il est où? Ah, c'est ça, je vais cacher la phrase. Déco 2, c'est quoi Déco 2? C'est les bordures. Ah oui, c'est les bordures, merde. Déco 2, donc je le cache pour le moment. Là, liver machin, je le cache. Je vais rajouter add layer, layer 1, voilà. Je vais aller dans fabrique. Ou pas. Ah, ça, j'ai pas besoin. Non, je suis con, j'ai pas besoin. On va pas faire ça, j'ai pas besoin de faire ça. Je vais remettre en noir, très bien. Déco 1, déco 2, très bien. Du coup, je peux laisser le logo et la phrase. Ça va très bien. Ça, on change pas. On change juste la couleur de la semelle. Non, ah non, c'est pas la semelle, alors c'est quoi? La sandale? Ah, oui, c'est elle. C'est celle-là. C'est celle-ci qu'il faut changer.
Et donc, Thin Age, je cherche Liver Color. Et là, on va dans Dynamique. Est-ce que je peux réussir à avoir la même couleur que la tenue? Je reprends mon bout de papier où j'avais noté la même couleur. Donc, on est à 0,114 ici. Je ne sais pas si ça va marcher. Hein. 0,114. Ici, on est à 884. Non, attends, j'oublie. Hein. Il en reste un. 888, c'est ça? Non, 880. Et voilà. Et là, on a exactement la même couleur. Impeccable. Donc du coup, on n'a changé qu'une seule couleur, en fait. Bah ouais. On n'a changé qu'une couleur. Ok, donc je vais dans File, exporter texture. Ça, j'en veux pas. J'en veux pas. Donc moi, c'est Sandal. Il y a juste celui-là qui a changé. Donc, Sandal. Ouais, c'est ça. En 2K, il n'y a que cette texture-là qui a changé. Je fais exporter. Allez. Allez, comme ça on va avoir une tenue complète sans avoir besoin de refaire les chaussures, c'est parfait. Open folder. Bah du coup je sauvegarde pas puisqu'il n'y a pas besoin. Donc, je peux quitter Substance Painter. Voilà, je retourne dans Character Creator. Bouge pas. Vêtements, custom, chaussures, sandales, tiens cadeau. Voilà, très bien, on est dessus. Modifier. Sandal, c'est celui-ci. On lui met du nouveau. Rugness. Mixed AO. Métallique. Base Color. Normal OpenGL. C'est la normal map. Et voilà. On a les sandales qui vont avec la tenue. Et il n'y a pas besoin de tout recommencer. Impeccable. Et avec le mouvement, ça donne ça. Ah! Et ben voilà, tenue complète. Pourquoi les cheveux bougent pas? Ah, j'ai pas activé. Voilà, j'ai pas activé la physique. Ah bah ben voilà. Et c'est pas beau ça, franchement. Ça c'est top. Bon bah c'est bon, moi j'ai fini, j'ai juste sauvegardé les chaussures. Vas-y, attends, à l'endroit où les pieds se croisent, ici. Voilà, je file sur les chaussures, ça c'est bon, je vais dans contenu, je vais faire sauvegarder. Bah c'est JZ1, ouais, je vais changer juste le nom, ou pas. Ouais, de toute façon c'est ça, hein. Sandale jaune. Mais non, mais normalement il y a un truc. Non, annuler. Il doit y avoir une option, logiquement. Si je vais dans modifier, que je vais dans ça, c'est quoi? Load. Save all object texture. C'est pas dans ça. Je vais ici dans sandale. Attendez, si je prends tout. Non, ça marche pas. Celui-ci. Save texture. Non. Save all material texture. Non, c'est pas celui-là. Ah, c'est où? Je suis sur les chaussures. Ça doit être ça, alors. Save material plus. Sélectionnez le matériel que vous voulez sauvegarder, donc l'intégralité de la chaussure. Save. Voilà, c'est ça. Maintenant, je vais dans Réallusion, Radio Custom, Media, Media Plus, et je vais l'appeler JZ1 Sandale jaune. Enregistrer. D'accord. Et normalement, si ça doit fonctionner, j'ai juste à aller dans
Je vais dans contenu. Je vais relancer les sandales de base. Remplacer. Donc je remplace complètement. Donc elle va rééquiper. Qui c'est qui m'envoie des messages? Ah, un nouvel abonné. Merci. Voilà, donc ça c'est la couleur d'origine. Et normalement, si je veux retrouver, je vais dans Custom, je vais ici dans Stage, je vais dans Material Plus. J'ai ça. J'ai sélectionné mes sandales. J'ai juste à double-cliquer dessus. Ou pas? Non, ça marche pas? Ok, c'est pas grave. Juste à cliquer et à glisser sur mes sandales. Et normalement. Mystère, et ben voilà, impeccable, et ben voilà. Donc en gros, si jamais vous refaites cette tenue, que vous sauvegardez votre projet dans Substance Painter et que vous faites la même couleur que moi en jaune et noir, que par la suite dans Substance Painter vous rééditez votre texture et que vous faites une autre couleur, d'accord, par exemple en noir et en blanc, vous n'aurez pas besoin. Bon, faudra remettre les nouvelles textures sur la mèche de votre vêtement et, ou de votre objet existant, mais vous n'aurez pas besoin de re-sauvegarder deux fois votre objet. Après, vous allez dans les textures, ici, là, enfin, vous sélectionnez par exemple là, je sélectionne toute la tenue, vous faites tout ça, vous allez ici tout en haut, Save Material Plus, Save All Object Texture, et puis après, si c'est en rouge, bah, vous marquez rouge, et après, pour le remettre, vous faites juste un glisser-déposer en allant ici dans Stage, et Material Plus, vous prenez et vous glissez sur l'objet qui correspond, il va prendre la couleur, de nouvelles couleurs, tout simplement. Il n'y a pas besoin de dédoubler l'objet en fait dans votre inventaire. Bon, bah là, je pense que c'est bon. J'ai plus qu'à faire une vidéo de rendu pour le début du tuto, et puis après, bah c'est tout. Et voilà, bon, bah moi je coupe. Hop, merci d'avoir regardé la vidéo. Amusez-vous à recréer le même vêtement, vous avez vu, hein. C'est pas trop difficile, c'est long. Enfin, c'est la texture qui est longue, mais le vêtement lui-même, il est assez rapide à faire. Allez, à plus.